Ce matin, au départ de Liège, la météo est optimiste. Le temps sera beau et ensoleillé toute la journée. Pour les coureurs, les 130 encore en course, qui iront de Liège à Roubaix sur 200 km de route. Un seul point noir au tableau. Le vent sera défavorable. Il faut donc s'attendre à une course groupée ou à quelques offensives, mais seulement par petits pelotons. À Dorny, l'un des grands favoris de ce Tour de France, Braque, qui traversera dans quelques 100 km Châtelet, son pays natal, Rimnes-Quillez, premier grimpeur du Tour, hier vainqueur d'une épreuve de la montagne, Rolf Wolsol, toujours dangereux, Jo Derow, le champion de Hollande, et son ami Den Hartog, un équipier de Jacques Anquetil, absent, vous le savez, cette année de ce Tour. Le départ a été donné au confluent de Sambre-et-Meuse et dès les premiers kilomètres, la bataille est engagée. C'est un peloton très étiré qui descend la vallée de la Meuse sous l'impulsion de l'anglais Denson, premier attaquant, et à deux reprises dans les 20 premiers kilomètres, suivi un peu après par Gilbert Desmet II, puis par Anglade, et enfin par Momen et Plancarte. Car Plancarte, équipier de Rick Van Looy, applique les consignes de l'équipe. Il faut surveiller toutes les échappées et surtout préserver ce maillot jaune que la garde rouge de l'empereur Van Looy entend conserver, paraît-il, jusqu'à Paris. En un mot, Rick Van Looy a décidé de gagner à Roubaix sa deuxième étape après avoir remporté cette année un extraordinaire Paris-Roubaix. Pour Rick Van Looy, il s'agit surtout de profiter des bonifications. Pas un regard du peloton sur le folklore traditionnel du Tour de France. Cela est réservé aux suiveurs. Mais après Namur, une attaque de Rostelan, de Depo, de Milesi et de Durante, accompagnée un peu plus loin par Vogt Koenigsloo, permet à ces hommes de prendre 20 secondes. Ils sont rejoints du côté de Floreffe. Cette traversée pavée va jouer un mauvais tour à Sels, qui, victime d'une crevaison, va se précipiter pour rentrer dans le peloton et glisser sur les rails. Il sera alors attendu par toute l'équipe supérieure, à l'exception bien sûr de Rick Van Looy, le maillot jaune. Quoi qu'il en soit, Rick Van Looy ne se débrouille pas trop mal dans le peloton où il est pour l'instant isolé. Et Edouard Sels, l'un de ses lieutenants, peut reprendre en quelques kilomètres sa place. La chute n'a laissé aucune gravité. Au contrôle de ravitaillement, une autre chute à signaler. Sans gravité non plus, fort heureusement, celle de Raymond Poulidor. Une chute qui pourtant va marquer moralement le Français, car en fin d'étape, il perdra le contrôle de la course et cela lui coûtera, en compagnie de Van Looy et de Motta, 1 minute 5 secondes sur des hommes qui viennent de lancer une autre offensive. Gilbert Desmet II, Van de Kerckhove, Van Schiel et le Français Joseph Groussard, remarquablement à l'aise au début de cette échappée, lancée le long de la plaine de Waterloo contre l'empereur Rick Van Looy. Van de Kerckhove, équipier de Van Looy, Van Schiel, équipier de Poulidor, Gilbert Desmet et Groussard comptent maintenant 40 secondes d'avance sur deux hommes qui sont Guy Mondy et Fouché. Fouché, équipier de Groussard, cela sous-entend que Groussard doit attendre Fouché pour le ramener. Tant pis si Guy Mondy, vainqueur du dernier tour de l'avenir, est l'un des grands favoris de ce tour. Il s'agit pour l'instant de parer au plus pressé et de prendre position au classement général. Dans le peloton, un incident. Janssen, le champion du monde, est victime d'une crevaison. Il est immédiatement dépanné par son fidèle équipier Jean-Claude Lefebvre. Lefebvre, qui lance même sur la route Janssen, lui permet de se remettre rapidement dans l'allure et attend alors son directeur sportif Maurice de Maire pour être à son tour dépanné. En quelques coups de pédale, Janssen reprend sa place dans le peloton. Il ne va pas y rester longtemps car il va participer maintenant à une contre-attaque de 10 hommes derrière les 6 de 7 de tête. Ces 10, Mahé, Janssen, Gilbert Desmet, Adorni, Stevens, Ray Brock. Voilà des hommes dangereux au classement général et on se demande à cet instant comment Poulidor, Motta et Van Looy ont pu laisser partir des clients aussi dangereux, car ces hommes vont prendre 1 minute 5 secondes au gros peloton. Avec eux, Den Hartog, pour l'instant deuxième du classement général, extrêmement dangereux lui aussi et favori de Raphaël Gimignani et de Raymond Louviot, ses directeurs sportifs. Les 6 ne comptent plus maintenant qu'une minute d'avance sur le groupe de contre-attaque et 2 minutes 25 secondes sur le gros peloton, secoué seulement de temps à autre par des réactions venus des équipiers qui ne sont pas représentés en tête. Mais Van Looy, pour sa part, ne bouge pas. Il a déjà donné ses consignes à son directeur sportif. Il faut que Van de Kerckhove remporte l'étape et par là même soulage Van Looy de ce maillot jaune. Guy Mondy est le plus actif du groupe de tête. Lui se moque éperdument pour l'instant des bonifications. Il alimente ce groupe par des relais très puissants qui vont mettre à l'ouvrage Fouché, Groussard et Gilbert Desmet II dans quelques instants. Une minute toujours d'écart sur le groupe de contre-attaque, 2 minutes sur le peloton. Et Fouché, Groussard et Gilbert Desmet II sont lâchés à moins de 10 km de l'arrivée.
par Guimondi, Van de Kerkhove et Van Schiel, qui passent ainsi la frontière française à moins de 5 km 500 de Roubaix. Ils ont encore 1 minute 30 secondes d'avance sur le premier groupe, celui de Janssen, 2 minutes sur le peloton, mais dans le peloton on réagit, d'autant plus qu'à l'avant, seul maintenant Guimondi roule, Van Schiel ne peut plus, et Van de Kerkhove applique les consignes de son chef de file. Il se réserve pour le sprint, d'ailleurs il est le plus rapide du lot, et sa victoire ne fait alors aucun doute. Le groupe François Mahé, Janssen, Adorni se rapproche dangereusement des hommes de tête, au point de parvenir sur ses talons au vélodrome même de Roubaix, et le gros peloton remonte alors à 1 minute 30 secondes. C'est la réaction attendue, mais une réaction trop tardive pour qu'elle n'inquiète pas ce soir Poulidor et Motta en particulier. Car si Rick Van Looy a bien joué en permettant la fugue de Bernard Van de Kerkhove, son jeune lieutenant, on peut se demander si Poulidor et Motta n'ont pas commis une erreur de laisser filer des hommes comme Guimondi, Adorni et Janssen. En tête sur la piste, Guimondi qui découvre ainsi le vélodrome de Roubaix, il est jeune professionnel. En deuxième position, Van de Kerkhove, vainqueur l'année dernière de la première étape du Tour, donc un habitué du maillot jaune. Et en troisième position, Van Schiel, l'outsider de ce sprint dont on sait peu de choses en fait dans les 200 derniers mètres. Van de Kerkhove place un premier démarrage qui a pour effet de mettre Van Schiel dans le vent. Et Van Schiel va devoir se replacer en troisième position, ce qui facilite maintenant le deuxième démarrage de Van de Kerkhove, qui à 200 mètres de la ligne ne laisse plus aucune chance à Guimondi. Et astucieusement d'ailleurs, Van de Kerkhove permet à Guimondi de prendre la deuxième place et 30 secondes de bonification. Mais grâce à ce jeu des bonifications, Van de Kerkhove prend une minute et par là même le maillot jaune. Premier Van de Kerkhove, deuxième Guimondi, troisième Van Schiel. Et pour la quatrième place, c'est le rapide Ray Brock qui s'impose devant Adorni, Janssen, Stevens, Bouquet, Wouters, Den Hartog, Desmet, Ast et Mahé, c'est-à-dire le groupe des contre-attaquants. Et le peloton termine à 1 minute 19 secondes. Dans ce peloton, Van Looy partagé entre deux sentiments, celui de perdre son maillot jaune et celui de devoir maintenant défendre le même maillot tenu par son lieutenant Van de Kerkhove. Quoi qu'il en soit, c'est la valse de l'empereur qui continue et les troupes de Van Looy s'imposent encore dans ce début du Tour de France. Ce matin, au départ de Liège, la météo est optimiste. Le temps sera beau et ensoleillé toute la journée. Pour les coureurs, les 130 encore en course, qui iront de Liège à Roubaix sur 200 km de route. Un seul point noir au tableau. Le vent sera défavorable. Il faut donc s'attendre à une course groupée ou à quelques offensives, mais seulement par petits pelotons. Adorni, l'un des grands favoris de ce Tour de France. Braque, qui traversera dans quelques 100 km Châtelet, son pays natal. Rimnes-Quiez, premier grimpeur du Tour, hier vainqueur d'une épreuve de la montagne. Rolf Volsol, toujours dangereux. Jo Dereau, le champion de Hollande, et son ami Den Hartog, un équipier de Jacques Anquetil, absent, vous le savez, cette année de ce Tour. Le départ a été donné au confluent de Sambre-et-Meuse. Et dès les premiers kilomètres, la bataille est engagée. C'est un peloton très étiré qui descend la vallée de la Meuse sous l'impulsion de l'anglais Denson, premier attaquant, et à deux reprises dans les 20 premiers kilomètres, suivi un peu après par Gilbert Desmet II, puis par Anglade, et enfin par Momen et Plancarte. Car Plancarte, équipier de Rick Van Looy, applique les consignes de l'équipe. Il faut surveiller toutes les échappées et surtout préserver ce maillot jaune que la garde rouge de l'empereur Van Looy entend conserver, paraît-il, jusqu'à Paris. En un mot, Rick Van Looy a décidé de gagner à Roubaix, sa deuxième étape après avoir remporté cette année un extraordinaire Paris-Roubaix. Pour Rick Van Looy, il s'agit surtout de profiter des bonifications. Pas un regard du peloton sur le folklore traditionnel du Tour de France, cela est réservé aux suiveurs, mais
Après Namur, une attaque de Rostolan, de Depo, de Milesi et de Durante, accompagnée un peu plus loin par Vogt-Koenigslo, permet à ces hommes de prendre 20 secondes. Ils sont rejoints du côté de Floreffe. Cette traversée pavée va jouer un mauvais tour à Sels, qui, victime d'une crevaison, va se précipiter pour rentrer dans le peloton et glisser sur les rails. Il sera alors attendu par toute l'équipe supérieure, à l'exception bien sûr de Rick Van Looy, le maillot jaune. Quoi qu'il en soit, Rick Van Looy ne se débrouille pas trop mal dans le peloton où il est pour l'instant isolé. Et Edouard Sels, l'un de ses lieutenants, peut reprendre en quelques kilomètres sa place. La chute n'a laissé aucune gravité. Au contrôle de ravitaillement, une autre chute à signaler. Sans gravité non plus, fort heureusement, celle de Raymond Poulidor. Une chute qui pourtant va marquer moralement le Français, car en fin d'étape, il perdra le contrôle de la course et cela lui coûtera, en compagnie de Van Looy et de Motta, 1 minute 5 secondes sur des hommes qui viennent de lancer une autre offensive. Gilbert Desmet II, Van de Kerkhove, Van Schiel et le Français Joseph Groussard, remarquablement à l'aise au début de cette échappée, lancée le long de la plaine de Waterloo contre l'empereur Rick Van Looy. Van de Kerkhove, équipier de Van Looy, Van Schiel, équipier de Poulidor, Gilbert Desmet et Groussard comptent maintenant 40 secondes d'avance sur deux hommes qui sont Guy Mondy et Fouché. Fouché, équipier de Groussard, cela sous-entend que Groussard doit attendre Fouché pour le ramener. Tant pis si Guy Mondy, vainqueur du dernier tour de l'avenir, est l'un des grands favoris de ce tour. Il s'agit pour l'instant de parer au plus pressé et de prendre position au classement général. Dans le peloton, un incident. Janssen, le champion du monde, est victime d'une crevaison. Il est immédiatement dépanné par son fidèle équipier Jean-Claude Lefebvre. Lefebvre, qui lance même sur la route Janssen, lui permet de se remettre rapidement dans l'allure et attend alors son directeur sportif Maurice de Meer pour être à son tour dépanné. En quelques coups de pédale, Janssen reprend sa place dans le peloton. Il ne va pas y rester longtemps car il va participer maintenant à une contre-attaque de 10 hommes derrière les 6 de 7 de tête. C'est 10, Mahé, Janssen, Gilbert Desmet, Adorni, Stevens, Ray Brock. Voilà des hommes dangereux au classement général. Et on se demande à cet instant comment Poulidor, Motta et Van Looy ont pu laisser partir des clients aussi dangereux, car ces hommes vont prendre 1 minute 5 secondes au gros peloton. Avec eux, Den Hartog, pour l'instant deuxième du classement général, extrêmement dangereux lui aussi, et favori de Raphaël Gimignani et de Raymond Louviot, ses directeurs sportifs. Les 6 ne comptent plus maintenant qu'une minute d'avance sur le groupe de contre-attaque et 2 minutes 25 secondes sur le gros peloton, secoué seulement de temps à autre par des réactions venus des équipiers qui ne sont pas représentés en tête. Mais Van Looy, pour sa part, ne bouge pas. Il a déjà donné ses consignes à son directeur sportif. Il faut que Van de Kerkhove remporte l'étape et par là même soulage Van Looy de ce maillot jaune. Guy Mondy est le plus actif du groupe de tête. Lui se moque éperdument pour l'instant des bonifications. Il alimente ce groupe par des relais très puissants qui vont mettre à l'ouvrage Fouché, Groussard et Gilbert Desmet II dans quelques instants. Une minute toujours d'écart sur le groupe de contre-attaque, 2 minutes sur le peloton. Et Fouché, Groussard et Gilbert Desmet II sont lâchés à moins de 10 km de l'arrivée par Guy Mondy, Van de Kerkhove et Van Schiel, qui passent ainsi la frontière française à moins de 5 500 km de Roubaix. Ils ont encore 1 minute 30 secondes d'avance sur le premier groupe, celui de Janssen, 2 minutes sur le peloton, mais dans le peloton on réagit, d'autant plus qu'à l'avant, seul maintenant Guy Mondy roule, Van Schiel ne peut plus. Et Van de Kerkhove applique les consignes de son chef de file. Il se réserve pour le sprint. D'ailleurs, il est le plus rapide du lot. Et sa victoire ne fait alors aucun doute. Le groupe François Mahé, Janssen, Adorni se rapproche dangereusement des hommes de tête, au point de parvenir sur ses talons au vélodrome même de Roubaix. Et le gros peloton remonte alors à 1 minute 30 secondes. C'est la réaction attendue, mais une réaction trop tardive pour qu'elle n'inquiète pas ce soir Poulidor et Motta en particulier. Car si Rick Van Looy a bien joué en permettant la fugue de Bernard Van de Kerkhove, son jeune lieutenant, on peut se demander si Poulidor et Motta n'ont pas commis une erreur de laisser filer des hommes comme Guy Mondy, Adorni et Janssen. En tête sur la piste, Guy Mondy qui découvre ainsi le vélodrome de Roubaix, il est jeune professionnel. En deuxième position, Van de Kerkhove, vainqueur l'année dernière de la première étape du Tour, donc un habitué du maillot jaune. Et en troisième position, Van Schiel, l'outsider de ce sprint dont on sait peu de choses en fait dans les 200 derniers mètres. Van de Kerkhove place un premier démarrage qui a pour effet de mettre Van Schiel dans le vent. Et Van Schiel va devoir se replacer en troisième position, ce qui facilite maintenant le deuxième démarrage de Van de Kerkhove, qui à 200 mètres de la ligne ne laisse plus aucune chance à Guy Mondy. Et astucieusement d'ailleurs, Van de Kerkhove permet à Guy Mondy de prendre la deuxième place et 30 secondes de bonification. Mais grâce à ce jeu des bonifications,
Van de Kerkhove prend une minute et par là même le maillot jaune. Premier Van de Kerkhove, deuxième Guy Mondy, troisième Van Schiel. Et pour la quatrième place, c'est le rapide Ray Brock qui s'impose devant Adorni, Janssen, Stevens, Bouquet, Wouters, Den Hartog, Desmet, Ast et Mahé, c'est-à-dire le groupe des contre-attaquants. Et le peloton termine à 1 minute 19 secondes. Dans ce peloton, Van Looy partagé entre deux sentiments, celui de perdre son maillot jaune et celui de devoir maintenant défendre le même maillot tenu par son lieutenant Van de Kerkhove. Quoi qu'il en soit, c'est la valse de l'empereur qui continue et les troupes de Van Looy s'imposent encore dans ce début du Tour de France. Ce matin, sur la place de l'hôtel de ville à Roubaix, avant le départ de cette troisième étape, Roubaix-Rouen, 240 km, la plus longue jusqu'à présent, il est vrai que ce n'est que la troisième. Au contrôle de départ, grande discussion entre les coureurs après la fin d'étape mouvementée de la veille. Vous avez reconnu Simpson, voici Poulidor, on se demande s'il a bien fait de ne pas se mêler au groupe de contre-attaque animé par Adorni. Mais pour l'instant, l'heure n'est plus aux supputations. Poulidor a laissé entendre qu'il était très heureux de voir des hommes comme Adorni et par exemple le champion du monde, le Hollandais Janssen, devant lui au classement général. Nous verrons si l'avenir lui donnera raison. La météo annonce le beau temps avec tout de même un vent debout assez violent, ce qui semblerait inciter les audacieux à rester tranquillement dans les roues en attendant tout de même de se rapprocher de l'arrivée. Nous allons quitter bientôt le pays minier. Hier, c'était le Borinage, aujourd'hui la région du nord de la France, pour, à travers la Picardie, rallier la campagne normande. Le peloton roule à quelques kilomètres de Roubaix sur le trottoir cyclable afin d'éviter les pavés lorsque se produit le premier drame de ce Tour de France 1965. Georges Groussard, le héros de l'an dernier, le petit maillot jaune sympathique qui avait su se conquérir l'amitié de tous les supporters, la sympathie générale, tombe sur les pavés et malheureusement, il semble qu'il se soit fracturé le col du fémur. Tout au moins, ce sont les renseignements qui nous ont été fournis ce soir. Georges Groussard, en pleurant, doit abandonner le Tour de France. Il misait beaucoup sur ce tour car il avait axé sa saison sur lui afin de se trouver en bonne condition au départ de Cologne. Le sort n'a pas voulu de lui au-delà de cette troisième étape, du début de cette troisième étape. Pendant ce temps, le peloton poursuit d'une allure très modérée, 33 km dans la première heure, car le vent, évidemment, comme on l'a signalé, étant debout, il ne s'agit pas de se fatiguer avant d'atteindre la portion véritablement stratégique de ce parcours, c'est-à-dire les vallonnements de la campagne normande. Après Abbeville, tout de même, un audacieux, deux audacieux, Novak de l'équipe Gitane, qui est parti en compagnie de Bodin de l'équipe Mercier. Bodin est le coéquipier de Poulidor, tandis que Novak appartient à cette formation qui a délaissé volontairement cette année Jacques Anquetil, cette formation qui se cherche encore un leader. On pense à Dehaene, peut-être sera-ce lui, peut-être un autre. Il est trop tôt pour le dire. Les deux hommes ont pris leur musette au ravitaillement et ils foncent vers Rouen, encore distant de près de plus de 100 km. Leur avance tout de même augmente sensiblement au fil des kilomètres et elle se situera au-delà de 10 minutes. Le peloton musarde ne réagit pas car si Novak théoriquement est devenu le maillot jaune du tour puisque au classement général il était à moins de 3 minutes, ceci ne semble pas beaucoup inquiéter les grands favoris. On discute. Le maillot jaune Van de Kerkhove n'est pas inquiet à côté de celle. Ce Van Looy lui-même avec Peter Post semble assez heureux de la tournure des événements, car il est bien évident que pour lui, si ce sont des hommes pas dangereux qui sont en tête, si c'était Janssen que voici par exemple, ce serait une toute autre affaire. Si ce sont des hommes peu dangereux qui sont en tête, c'est autant de gagner sur les batailles à venir. Novak et Bodin continuent leur folle chevauchée, car on se demande vraiment s'ils pourront arriver jusqu'à Rouen, en ayant conservé même un mince avantage sur leurs poursuivants. L'avance fond au fil des kilomètres, alors qu'elle dépassait les 10 minutes tout à l'heure, elle n'est plus qu'aux alentours de 7 minutes, lorsque tout de même du peloton va surgir un contre-attaquant qui remettra tout en cause. Le passage à Abbeville, et vous allez voir cet homme, le voici, c'est le Belge Stevens qui appartient à l'équipe de Van Looy et du maillot jaune Van de Kerkhove. Stevens est parti, on se demande s'il est là pour servir de lièvre aux autres, c'est-à-dire pour susciter une échappée.
et un groupe de chasse, ou au contraire, s'il tente sa chance individuellement. Il semble que ce soit cette seconde solution, car Stévin se rapproche de Novak et de Bodin, qui continue tout de même. Stévin, qui, au classement général, est l'homme le plus dangereux s'il parvenait à rejoindre Novak et Bodin, et s'il, évidemment, il parvenait à gagner cette étape, ou tout au moins à se classer second, il prendrait le maillot jaune. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de maillots jaunes, aussi bien virtuels que fragiles, au cours de cette troisième étape. La campagne normande offre ses charmes, ses pommiers, et la course va enfin se dessiner à l'avant. Il y a tout d'abord une contre-attaque de Nijdam, le Hollandais, puis de Ferdinand Brack, le Belge, et de Depau, son compatriote. Et ces contre-attaques amènent un regroupement général en tête, Bodin et Novak étant obligés de s'incliner. Nous sommes à 25 km de l'arrivée, autant dire que la course n'a pas encore été lancée. Si, voilà, elle est lancée par le jeune Pingent, révélation du Dauphiné du Midi Libre, qui part à moins de 20 km de l'arrivée. Immédiatement, derrière lui, chasse Ast, qui emmène l'Italien Ghimondi, un homme extrêmement dangereux. Voici Ast en action, Ghimondi ici en tête de ce peloton, où se trouvent également les Belges Bouquet, Monti, les Espagnols Hernandez et Uriona, et l'Anglais de Belgique, Wright. En tout, 10 hommes qui réussissent à se détacher, à prendre 100 mètres, 200 mètres au peloton, et qui semble ne pouvoir être rejoint. Ghimondi assure des relais extrêmement rapides, c'est lui qui serait le meilleur bénéficiaire de l'opération. On l'a encore laissé partir, hier on a laissé partir Ghimondi avant Roubaix, aujourd'hui on réédite cette erreur avant Rouen, alors qu'il s'est vraiment signalé comme l'un des vainqueurs possibles, un des favoris du Tour. On suppute les chances de Darrigade au sprint, lorsque soudain Ferdinand Brack, qui avait déjà amené la première jonction, démarre, c'est le champion du monde de poursuite, c'est un homme qui roule très fort, il essaye de ne pas avoir à disputer le sprint, mais il sera rejoint par le paquet des hommes de tête, et c'est finalement Ghimondi qui, sur cette arrivée en légère côte, Ghimondi qui est un bon grimpeur, prend plusieurs longueurs au second de l'étape, l'Anglais Wright. Ghimondi plus exactement pour bien prononcer son nom, triomphe donc nettement détaché, deuxième Wright, puis viennent Bouquet, Monti, Ast, Darrigade, Pingent, Hernandez, Uriona et Brack qui terminent relevé. Quant au peloton, il va se présenter avec un retard de l'ordre de 23 secondes. Voici le peloton dans lequel se trouvent Poulidor, Van Looy et les autres qui ont perdu peu de terrain mais en ce qui concerne la course en ligne, mais beaucoup en ce qui concerne le classement général puisque Ghimondi, sous l'œil de Jacques Anquetil, avec tout de même une avance qui se chiffre aux alentours de 3 minutes sur ses principaux rivaux, s'inscrit comme grand favori du Tour, en ce début du Tour tout au moins. Anquetil n'est plus là. Qui va prendre la relève? Ce n'est pas le petit Georges Groussard, révélation de l'année précédente, pour qui le Tour se termine déjà dans cette troisième étape Roubaix-Rouen. Alors que le Tour est parti de Cologne, avec Raymond Poulidor pour favori. Dans ce Tour, un jeune fait ses débuts. Le public français a fait sa connaissance l'année précédente lorsqu'il a remporté le Tour de l'Avenir. C'est Felice Ghimondi. C'est un Italien du Piémont et la première manifestation de sa grande classe, il la montre ici, dans cette étape. Malgré une tentative d'échapper de Ferdinand Brack. Ghimondi est venu au Tour sur l'injonction de son directeur sportif, Luciano Pezzi, ancien séide de Coppi. Au sprint, c'est lui qui l'emporte.
ce matin après Rouen, avant le départ de la quatrième étape Caen-Saint-Brieuc du Tour de France. Car si les coureurs ont fait étape hier à Rouen, à l'issue de la troisième étape Roubaix-Rouen, ils ont pris le départ ce matin de Caen, distant de 130 km de la capitale normande, ce qui explique cet insolite voyage en autorail. Des coureurs du Tour, ici Jim Andy, le maillot jaune, très détendu. Poulidor en profite pour se faire masser. On discute, le médecin du Tour, le docteur Dumas, et ses assistants soignent quelques impotents, car il y a eu pas mal de chutes dans le vent au cours des étapes précédentes. Et à Caen va être donné le départ au milieu de la matinée, à 10h38 très exactement, avec un léger retard sur l'horaire. Cette étape Caen-Saint-Brieuc est longue de 227 km. Autant dire que, comme celle de la veille, elle dépasse les 200 km, c'est une vérité de la palisse. Mais maintenant, on s'est rendu compte que lorsqu'une étape dépasse ce cap des 200 km, il ne se passe pratiquement rien jusqu'à 30 km de l'arrivée. Quand je dis pratiquement rien, je parle évidemment des escarmouches importantes pouvant influer sur le classement général. Pourtant, après le départ, Nedelec, Maliépar, Durant et Brands avaient réussi à prendre une minute d'avance au peloton. Mais bientôt, le regroupement était intervenu et c'est alors qu'on a assisté à une attaque, une échappée à 15 qui aurait pu aller très loin et qui était particulièrement dangereuse, puisque se trouvaient dans ce groupe de 15 Poulidor, Le Baube, l'Allemand Wolfshall, Anglade, l'Italien Motta, c'est-à-dire des hommes extrêmement dangereux au classement général. Ceci explique évidemment leur offensive contre le nouveau leader du classement général, Jim Andy. Voici Poulidor, que l'on n'avait pas vu depuis le départ de Cologne et qui semble décidé à ne pas attendre la montagne pour se montrer. Poulidor qui demeure une énigme, de même d'ailleurs que Van Looy. On ne connaît pas très bien les intentions des deux hommes. Celle de Poulidor, c'est d'attendre la montagne, évidemment. Celle de Van Looy sont beaucoup plus obscures. Mais le peloton, après avoir laissé passer ce groupe de 15, a réagi sous l'impulsion du maillot jaune Jim Andy, que voici en action. Et le regroupement s'est effectué en quelques kilomètres après une chasse extrêmement rapide. Cet épisode terminé, l'allure générale de nouveau diminue très notablement. 33-34 km à l'heure. Il faut dire qu'il y a un vent de trois quarts face, parfois vent debout, que d'autre part, depuis le départ de Cologne, les coureurs ont eu le vent dans le nez. C'est très fatigant, très éprouvant. Les chutes, je vous l'ai signalé tout à l'heure, sont extrêmement nombreuses en ce cas. Il y a eu celle de Post, il y a eu celle de Poulidor au cours de la deuxième étape, il y a eu celle du champion de Belgique Sels également au cours de cette deuxième étape. Donc tout ceci incite à la prudence et explique que l'allure générale ne soit pas très vive lorsqu'il y a un kilométrage important et le vent debout. Passage à Villedieu-les-Poils. Ce nom étant tout un programme. Et c'est alors que l'audacieux de la journée s'est manifesté. Hier, nous en avions deux, Bodin et Novak. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un, c'est le jeune Belge Timmermans. Timmermans est parti et le peloton, ne réagissant pas, a réussi à augmenter son avantage. Une chute ici dont est victime Bahamontès, l'un des favoris du Tour, qui lui aussi attend bien sûr l'école des Pyrénées pour se montrer. Fort heureusement, Bahamontès peut repartir sans trop de dégâts. Je vous disais que Timmermans avait augmenté son avance devant l'absence de réaction du peloton. Celle-ci est de 6 minutes 15 secondes à 75 km du départ. Avant Pontorson, elle est de plus de 10 minutes. Et tandis que l'on pénètre en Bretagne, après avoir salué au passage le mont Saint-Michel qui sépare traditionnellement les deux provinces, on se demande d'ailleurs si le mont est en Normandie ou en Bretagne. On prétend qu'il est en Normandie parce qu'un cours d'eau, le Couesnon dans sa folie, a mis le nom en Normandie. C'est un quatrain assez connu. Car autrefois, le mont, paraît-il, était en Bretagne. Mais ces considérations nous éloignent quelque peu de la course et de Timmermans, qui passe ici à Dinan, au pied de la citadelle, avec un avantage qui a quelque peu diminué. Car auparavant, il y a tout de même eu deux côtes qui comptent pour le Grand Prix de la Montagne, pourquoi pas. La côte de Pontfarcy, où s'était déroulé l'escarmouche Poulidor, Le Baume, Motta de tout à l'heure, et la côte de Caspeau, qui est située après Dinan. Donc, à Dinan, l'homme de tête Timmermans a déjà perdu du terrain et à l'issue de la montée de la côte de Caspeau, il en aura perdu encore davantage. Le dernier pointage tout de même, au sommet de Caspeau, donné 8 minutes 20 secondes, alors que disputant la deuxième place pour ce trophée de la montagne, Brands, l'Espagnol Jiménez, Esteban Martin également espagnol, passaient en tête du peloton. Mais une réaction en tête du peloton se produit à 20 km de l'arrivée. Van Looy, avec Boklans dans sa roue, revient sur Timmermans. Est-ce la jonction ou est-ce au contraire le début d'une offensive de Van Looy, très attentiste depuis la première étape?
Van Looy et Bokland poursuivent sur leur lancée après avoir lâché Timmermans. Ils prennent même 50 secondes, mais Gimondi et le peloton reviennent car on ne laisse pas partir aussi facilement que cela Monsieur Van Looy. À 20 km de l'arrivée, par conséquent, tout était remis en question. Des chutes, ici un Espagnol de l'équipe Ferris. Il s'agissait de Such. Et voici maintenant l'échappée décisive, celle qui ira jusqu'au bout. Elle groupe 5 hommes. Lutte de l'équipe Gitane, l'Hollandais Nijdam de l'équipe Télévisir, Bouquet, le Belge de Flandria, le Belge Monti et Sorgelos, également belge, coéquipier de Van Looy. Autant dire qu'il n'y avait aucun régional breton et aucun français par conséquent dans cette échappée à 5 qui s'est développée à moins de 20 km de l'arrivée. Ici Nijdam, Lutte, Bouquet que vous venez de voir, dossier numéro 51, voici Monti de l'équipe Sauvage le Jeune. De tous ces hommes qui appuient très fort sur les pédales, à l'exception de Sorgelos qui se réserve pour le sprint, d'autant plus il est équipier de Van Looy, alors peut-être ceci explique cela. De toute façon, c'est Bouquet qui pénètre le premier sur la piste du vélodrome de Saint-Brieuc, avec dans deuxième position, nous avons Nijdam. Nijdam, ayant dans sa roue Sorgelos, va déborder Bouquet dans l'avant-dernier virage, poursuivre sur sa lancée en tentant de conserver un avantage suffisant. Mais Sorgelos, qui a été bien emmené et qui, nous l'avons vu, n'a pas produit beaucoup d'efforts au cours de cette échappée, Sorgelos triomphe de très peu, mais triomphe tout de même sur la ligne devant Lutte. Troisième Monti, puis viennent Nijdam, Bouquet, tandis que le peloton, que voici, voit le sprint pour la sixième place, disputé entre Simpson et Janssen. C'est Simpson qui emporte ce sprint pour la sixième place devant Janssen et Rebrock, autre spécialiste des sprints d'arrivée. Sorgelos a effectué une bonne opération aujourd'hui puisqu'il monte maintenant en troisième position au classement général alors que l'Italien Gimondi conserve le maillot jaune. Est-ce que c'est la première fois, monsieur, que vous voyez passer le Tour de France? Oui, c'est la première fois, oui. Et est-ce que ça vous plaît? Alain et Kéo. Est-ce que vous êtes du Finistère, monsieur? Oui. Est-ce que vous faisiez, vous, du sport quand vous étiez jeune? Ah oui. Qu'est-ce que vous faisiez comme sport? Courir à pied. Vous en mauvais, voulez-vous nous dire quel est votre favori pour ce tour? Pour le tour,
Bah, vous savez, j'ai un favori, c'est Raymond Poulidor. C'est peut-être pas tellement original, mais c'est quand même celui qui va le plus vite contre la montre. Il le confirmera peut-être tout à l'heure. Et c'est lui qui grimpe le mieux, certainement. Malheureusement, peut-être, point de vue tactique, a-t-il encore des leçons à apprendre. Qu'est-ce que vous tirez déjà comme enseignement d'après ce début du tour ? Eh bien, je pense que c'est un cours très passionnant. J'attendais, comme beaucoup de gens certainement, que Van Looy, pardon, matraque ce Tour de France, mais je crois que vraiment Van Looy est un peu émoussé que ses courses de 6 jours et sa carrière aussi lui pèsent un peu dans les jambes. Et je pense que le danger pourrait venir de garçons comme des Italiens qui se manifestent. Ça peut être un Espagnol demain ou un Belge peut-être. Je vous laisse regarder cette arrivée de Châtelain. Lorsque Jacques Godet donne le départ de la 6e étape du Tour de France, Quimper, La Baule, Pornichet, ils sont encore 129 dans le peloton, mais tous n'ont pas récupéré de leurs efforts consentis hier contre la montre. Et déjà, la Bretagne nous montre ses premières manifestations de fidélité à sa tradition. Après la côte de Quimper, où Jiménez est passé en tête comme il se doit, deux hommes se sont échappés du peloton, Aymar et Lothor. Deux jeunes professionnels qui l'année dernière se distinguaient dans le Tour de l'Avenir, Lothor ayant gagné pour sa part l'étape contre la montre et Aymar ayant terminé deuxième derrière Felice Gimondi, celui qui précisément porte cette année le maillot jaune du Grand Tour. Ces deux hommes, pendant 3 km, ont gardé 150 mètres d'avance, mais déjà le peloton, sous l'impulsion des routiers belges, revient, un peloton emmené ici par Ivo Molnar. Grand malchanceux d'hier, Michel Nedelec est quand même reparti. Il a perdu plus de 10 minutes contre la montre, mais hélas, Michel Nedelec au 80e kilomètre disparaîtra. D'autres victimes après Bahamontès, Simpson, mais des victimes du chrono, celles-ci, puisqu'ils ont perdu plus de 2 ou de 3 minutes sur Poulidor hier, et Rick Van Looy qui pour sa part a concédé 3 minutes 5 secondes et qui entend profiter de cette étape de plaine pour se refaire un peu. Jan Janssen, champion du monde, lequel n'a perdu hier que 1 minute 35 secondes, et c'est la plongée vers Concarneau. Concarneau sous son plus beau ciel, par un peloton qui roule déjà à 50 km de moyenne. Les échappés ont été multiples jusqu'ici. Déjà, les suiveurs ont noirci leurs canets. L'encre menace de manquer dans les stylos et toujours les coiffes bretonnes pour décorer les bords de la route. Après Concarneau, Rostelan, Pérez Française, Van Looy, Brands ont démarré. Motta, excellent hier contre la montre, est venu les rejoindre, mais ces hommes encore n'ont pu s'assurer plus de 200 mètres. Et au 24e kilomètre, cet échappé prend fin. C'est déjà la 10e ou la 12e du jour. À Lorient, nouvelle tentative cette fois, en sont les auteurs Aymar, Duez, Evrart et Bockland. Aymar, c'est la 4e fois très exactement qu'il quitte le peloton. Il pense avoir été victime d'une erreur de développement et aujourd'hui, il entend reprendre les 2 minutes 40 que Poulidor s'est assuré hier contre lui. 40 secondes à Baille, c'est l'avantage de ces hommes, et Michel Nedelec ne peut suivre l'allure infernale du peloton. Il est lâché, dans quelques kilomètres il abandonnera. Malheureusement, le Tour de France perd là l'une de ses figures les plus attachantes. Monsieur Michel Nedelec, vous aurez au moins mérité la médaille du courage. Certes, cela ne vous consolera pas, mais on pense qu'en fin de saison, vous pourrez revenir dans les pelotons. À Vannes, devant le château Gaillard, Vannes, berceau de la civilisation ou de l'unité bretonne, comme l'on voudra, d'autres coureurs se sont manifestés et c'est Dereau qui finalement est parvenu à prendre plus d'une minute. Une minute cinq très exactement, au 143e kilomètre, l'avance de Dereau ira jusqu'à 2 minutes 20 secondes, mais c'est un chronométrage officieux. Quoi qu'il en soit, Joe Dereau accomplit là un véritable exploit. Dereau, on le connaît, il est champion de Hollande, il a gagné Bordeaux-Paris et à deux reprises, Paris-Tours et le Tour de Lombardie, c'est l'homme type des courses modernes. Van Looy, une nouvelle fois, essaie de se sortir de ce peloton. Il est marqué, et c'est ici le Hollandais Herings qui revient sur lui. Alors qu'en tête du peloton, Raymond Poulidor est toujours à ses côtés. Gimondi contre-attaque pour ramener
sur Van Looy et peut-être sur Dereau. Au pont de la Roche-Bernard, qui traverse la Vilaine, le peloton est encore regroupé et Dereau compte alors 1 minute 50 secondes d'avance. 45 km de moyenne horaire. Cette moyenne finalement tombera à 43 km 700. C'est la grande allure des Tours de France. Le vent aujourd'hui, il est vrai, soufflait favorablement. Et Dereau a pu en profiter dans cette fin de course. Dereau qui méritait sans aucun doute de remporter la victoire. Dereau qui aura accompli là une performance de très très grande valeur. Malheureusement, Dereau sera rejoint. Et cela devant notre camarade Yves Bonsergent qui au passage a retrouvé ses parents. Rick Van Looy, une nouvelle fois à la pointe de l'offensive. Encore Herings derrière lui. Le peloton revient sous l'impulsion de Motta, de Joseph Groussard et des équipiers de Federico Bahamontes, lequel n'est pas très remarqué jusqu'ici. Il est vrai que l'allure infernale ne facilite pas son action. Cette étape du Tour, qui s'apparente en fait à une classique, aura permis de vérifier la condition de Felice Gimondi au lendemain de l'étape contre la montre. Felice Gimondi qui commet certes encore des erreurs de placement, mais qui sait magnifiquement réagir lorsque devant, et ça a été le cas à plusieurs reprises dans la journée, lorsqu'a dormi Janssen, Poulidor, Motta ou Van Looy démarrait, lorsque devant, cela devient dangereux pour lui au classement général. Nouvel essai, nouvelle tentative, bien sûr, Rick Van Looy en fait partie. D'autres Belges encore, tel Brands. Mais Dereau file encore à moins de 20 km de l'arrivée. Il compte une minute d'avance. Tout espoir lui est encore permis. Malheureusement, Sorgelos, Van Looy et Stevens, malheureusement pour lui, s'entend, se sont mis en tête du peloton, car Rick Van Looy voudrait profiter de la minute de bonification afin de se rapprocher au classement général. Et cette action de la garde rouge de Rick Van Looy prouve bien la détermination de son chef de file qui entend participer à une grande offensive avant que les Pyrénées ne se présentent, c'est-à-dire avant Dax. Quelques ravitaillements au vol dans le peloton, toujours avec Van Looy, Groussard, Herings, Van Espen et Van Dongen, les deux triomphateurs de la veille. Devant la foule énorme qui borde la route dans les 20 derniers kilomètres, Brands amorce la dernière contre-offensive. C'est lui qui, le premier, rejoint Joe Dereau à moins de 6 km de l'arrivée à l'hippodrome de la Baule-Port-Michel. Puis d'autres reviennent avec Loutet, André Darrigade et Joseph Groussard. Tout le peloton en un mot où déjà les sprinters préparent leur pointe de vitesse. Mais c'est Simpson qui, dans son rôle de finisseur, surprend ses sprinters à 4 km du but. Il est encore contré par Loutet. Needham maintenant, le champion du monde de poursuite d'il y a 2 ans. Needham, excellent finisseur, qui se présente à moins de 500 mètres de l'entrée de l'hippodrome, avec une centaine de mètres d'avance sur le peloton. Il sera rejoint sur l'hippodrome même par Edouard Sels, le champion de Belgique, à qui Rick Van Looy entendait faciliter la victoire afin de lui redonner confiance après ses chutes. Mais Ray Brock surgit dans les derniers mètres et l'emporte devant Swerts. Dereau étonnant troisième après son action. Durante et Van Dongen. C'est donc Ray Brock qui prend la minute de bonification, sans incidence bien sûr sur le classement général, lequel ne subit aucune modification puisque Felice Gimondi repartira demain vers La Rochelle avec son maillot jaune et comptant 2 minutes 20 secondes d'avance sur Van de Kerckhove.
voyez la façon dont vous allez mener la suite de ce tour? Bien, dans l'immédiat, évidemment, j'ai un souci, c'est d'abord de conserver le maillot vert, bien sûr, puisque c'était mon objectif numéro un au départ. Ensuite, dans le cas suivant, la façon dont va se dérouler la course, eh bien, ma foi, si je pouvais reprendre le maillot jaune, je ne m'en priverais pas. Bien sûr, je m'en doute. Est-ce que vous pensez avoir une chance de mettre encore une étape à votre actif d'ici Paris? Oui, je le pense. J'espère même pouvoir le faire avant Paris, bien sûr. De toute façon, il sera pour moi l'essentiel, c'est surtout d'assurer le maximum de points. Et dans la montagne, je pense qu'il y aura beaucoup moins de sprinters aux arrivées, ce sera beaucoup moins tumultueux que ce que nous avons connu ce matin et hier. Et je pense quand même avoir beaucoup plus de chance. Oui, alors justement, il faudrait peut-être un petit peu parler de la montagne, puisque ce tour est assez tourmenté cette année. L'année dernière, vous avez, parfois pour un sprinter, comme on dit, fort bien passé l'école. Oui. Comment ça va cette année? Bien, je pense avoir encore progressé, je dis bien je pense, parce qu'évidemment il faudra voir sur place. Hein. Je pense avoir progressé par rapport à l'an dernier dans la montagne. Et je pense quand même avoir une première chance, non pas de gagner le Tour de France, mais enfin, et de faire une bonne place au classement général et de pouvoir continuellement grignoter des points, parce que je pense que mon adversaire principal pour maillot vert, ce sera encore Eddy Merckx. Vous avez préparé ces étapes de montagne, vous avez suivi un entraînement spécial pour ce Tour de France, pour ces étapes de montagne en particulier? C'est-à-dire que j'ai fait le Dauphiné Libéré qui n'était pas prévu au départ, je l'ai fait spécialement justement pour escalader des cols, parce que l'an dernier j'avais bien monté un Tour de France, mais auparavant j'avais effectué plusieurs courses en Espagne, dans le Tour d'Espagne et le Tour du Pays Basque où il y a énormément de montagnes, et je pense que ça m'avait servi énormément dans le Tour de France. Alors pour pallier à ce manque de compétition montagneuse, j'ai participé au Dauphiné Libéré et également au Midi Libre où je m'en suis très bien sorti. Alors si j'ai bien compris, Cyril Guimard cette année, c'est objectif officiel le maillot vert avec une petite idée de maillot jaune derrière la tête. Bien, oui, le reporter, ça me ferait énormément plaisir. Hein. Après le voyage matinal de Bordeaux à Dax, en chemin de fer, seul peut-être André Darrigade de tout le peloton ne prend pas le temps d'appréhender ce premier contact avec la haute montagne. Il a retrouvé pour lui Françoise et Eric. Mais dans le peloton, la grande peur est installée. Et encore, ces coureurs ne savent pas qu'ils vont vivre là l'une des journées les plus terribles. La chaleur est déjà étouffante à Axé-Thermes lorsque les 107 concurrents du Tour de France prennent le départ de cette 11e étape, 240 km vers Barcelone. Et en fait, ce sera véritablement la canicule encore aujourd'hui. Maintenant, les coureurs souhaiteraient presque que le froid se manifeste dans les Alpes, car cette chaleur ravage trop le peloton. Nous avons encore déploré des abandons. Au 14e kilomètre, un trouble fait. Pérez Française est parti de ce peloton. Pérez Française, ancien champion d'Espagne, rival direct de Jacques Anquetil il y a 2 ans, veut réaliser l'exploit. Et à 14 km du sommet de Puy-Morens, il a démarré. Alors qu'à l'arrière, première défaillance du jour, Ferdinand Braque attendu ici par Van Koenigsloo. Ferdinand Braque est malade, il ne repartira pas et Van Koenigsloo terminera seul, mais apprendra à l'arrivée qu'il est éliminé. Allez-vous dévouer après cela. Au sommet de Puy-Morens, Pérez Française passe en tête à 1 minute 30 secondes. En deuxième position surgit Jiménez, le champion d'Espagne, en tête du classement des grimpeurs, devant Galeria. Troisième, encore un autre Espagnol, Esteban Martin. Puis enfin, à 1.45, le premier étranger, si l'on ose dire,
Brands, devant Elorza, Gimondi le maillot jaune, Koundé et tout le peloton. Brack a abandonné, la nouvelle est devenue officielle. Dans la descente vers Bourg-Madame, Pérez française prend de gros risques, c'est à 80 km à l'heure qu'il dévale vers Bourg-Madame pour augmenter son avance alors que dans le peloton, certains astucieux prennent ici un raccourci, mais un peloton déjà très étiré en tête duquel se manifestent pourtant les équipiers de Gimondi, équipiers toujours très actifs sur le plat et dans cette discipline de la descente. À Bourg-Madame, au contrôle de ravitaillement, Pérez Frances est passé avec 7 minutes 20 secondes d'avance. À Puigcerda, quelques kilomètres plus loin, il aura même porté son avance à 8 minutes. Le peloton a perdu du temps, comme l'on dit, à mettre le nez dans les musettes, mais les premières boissons rafraîchissantes étaient attendues depuis déjà trop longtemps. Dans le col de Tossa, une contre-attaque, elle est signée de Rosso ici, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, suivi d'Hernandez et de Elorza, c'est-à-dire encore deux Espagnols bien placés avec l'Italien de Rosso, qui en fait contre-attaque au nom de son équipier Mota, qui n'a pas renoncé, on s'en doute, à gagner le Tour de France. Et le premier à revenir parmi les grands favoris du peloton, c'est le maillot jaune Gimondi. Gimondi qui vient de surprendre Poulidor et Mota, qui leur a pris là 20 secondes, qui rejoint le trio de Rosso à 7 minutes maintenant de Pérez Frances. Et c'est une nouvelle fois Rick Van Looy, décidément l'un des meilleurs grimpeurs du lot, qui ramène sur Gimondi, suivi bien sûr Van Looy de l'inévitable Brands et de tout le peloton au sein duquel Poulidor veille et veille même très astucieusement, il l'aura prouvé tout au long de la journée. Cette contre-attaque a fait perdre une minute environ à Pérez Frances, mais Pérez Frances continue son escalade du col de Tossa qu'il franchit maintenant avec 8 minutes 30 secondes d'avance sur le peloton. Il s'élance dans la descente vers Ribes et Ripoll. C'est un très bon descendeur, un excellent rouleur, à l'occasion un bon grimpeur, c'était l'homme du terrain complet. Aujourd'hui, il aura réalisé une excellente performance, un exploit même, puisqu'il faut remonter très loin dans la légende du Tour pour trouver un homme capable de rouler seul pendant 215 km avec près de 8 minutes d'avance sur le peloton dans des conditions aussi terribles que cette canicule, 32 degrés à l'ombre et encore on cherchait l'ombre. Pour la deuxième place au sommet du col de Tossa, c'est Van Looy qui a réglé tout le monde devant Jiménez, Brands, Nidam, Elorza, Koundé et Gimondi. Et maintenant, à Ripoll, tous les suiveurs s'arrêtent, tous les journalistes, tous les motards. Jacques Godet, le directeur du Tour de France, va dévoiler la stèle alors que Pérez Frances passe seul, la stèle qui rappelle le souvenir de nos grands amis Alex Viro, un reporter célèbre, et de son motard René Wagner, tué accidentellement dans le Tour de France de 1957 à cet endroit, dans le Rio Fraser. Le Tour n'a pas oublié Viro et Wagner. Aujourd'hui, tout le monde était ému à la pensée des images terribles vues en 1957. Devant, Pérez Frances est reparti. Ici, un supporter plein de sollicitude. Il sait que le coureur souffre de la chaleur, mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et Pérez Frances, qui ne manque pas de ravitaillement en cours de route, mais qui ne doit pas non plus oublier cet impératif, continuer de foncer s'il veut gagner seul Barcelone. S'asperge néanmoins de temps à autre dans le peloton. C'est l'enchevêtrement des vélos et des hommes aux rares points d'eau. Les oasis sont rares en effet au nord de la Catalogne. Après Jiménez, voici le R, on se débrouille comme l'on peut. Et maintenant Bertrand, un Espagnol habitué à cet exercice. Dans les côtes de fin de parcours, Pérez Frances ne faiblit pas, en dépit d'une contre-attaque signée Gilbert Desmet II, Ronchini, Fornoni, Hernandez et du français Guinche. Il conserve encore 6 minutes 10 secondes d'avance pour reporter un peu plus loin à 8 minutes son avance, comme il n'a que 11 minutes 2 secondes de retard au classement général, et cela encouragé par tous les Espagnols en quête de l'exploit. Pérez Frances songe alors qu'avec la minute de bonification, il pourra peut-être causer la surprise et reprendre le flambeau abandonné ici par Bahamontes, c'est-à-dire endosser le maillot jaune à Barcelone. Pourtant, il n'en est rien car Gimondi a été alerté. Il est prévenu de l'avance prise par Pérez Frances qui se présente maintenant à Barcelone au milieu d'une foule énorme et dans un enthousiasme indescriptible. Il n'a plus que quelques kilomètres à couvrir avant de voir s'ouvrir devant lui le parc de Montrui que voici. Trois tours du circuit, des notabilités dans une tribune très officielle qui attendent, comme elles le peuvent, l'arrivée de Pérez Frances. Pérez Frances qui saluera au passage son épouse et lui offrira dans quelques instants un bouquet parfaitement mérité.
Il compte alors là 6 minutes 30 secondes d'avance. Voici Madame Pérez-Française au milieu. Et détail assez curieux, il aura juste terminé le premier tour du circuit quand le peloton se présentera, l'absorbera, si bien que les journalistes demanderont longtemps ce qu'est devenu Pérez-Française. Cherchez-le, c'est la petite tache toujours à l'extérieur sur votre écran. Derrière lui, une contre-attaque pour la deuxième place. Elle est signée Vandenberg, Van Schiel et Galeria, mais rien à faire. Pérez-Française s'est mis hors de portée. C'est avec 4 minutes 23 secondes d'avance sur Vandenberg qu'il l'emporte, ajoutant à cela une minute de bonification, ce qui le fait remonter à la 7e place du classement général. Van Schiel est 3e à 4 minutes 35, puis Galeria à 4:37 et Gavica règle le peloton à 4 minutes 45 secondes, devant Mota, vainqueur réel du sprint de ce peloton à 4 minutes 48. Derrière Mota, Van Looy, Janssen, Grain, Reybrock. Et dans ce peloton, Gimondi et Poulidor, qui disposeront maintenant, comme tous les autres coureurs, de 24 heures pour se reposer ici, à Barcelone. Un repos ô combien mérité. Ce matin, au départ de cette étape de reprise Barcelone-Perpignan.
Atmosphère de kermesse, Jim Andy joue les chefs d'orchestre, ambiance carnavalesque, mais pourtant les coureurs du Tour de France quitteront sans regret la capitale catalane, car ils conservent pour la plupart un mauvais souvenir de leurs conditions de logement ainsi que de la chaleur et du bruit qui les ont entourés pendant cette journée dite de repos. Dès le départ de Barcelone, c'est la côte avec ses plages et sa voie de chemin de fer. L'allure est extrêmement rapide. Ce sont surtout les Espagnols qui se portent au commandement pour se faire applaudir par leurs supporters. Mais pourtant, ce ne sont pas les Espagnols qui lanceront les opérations les plus notables de ce début d'étape. Quand je dis les plus notables, c'est qu'ils figurent au communiqué, mais elles n'eurent aucune conséquence sur le déroulement de la course. En effet, nous avons Fornoni qui est parti avec Janssen, Pérez, Frances et Brands. Le maillot jaune Jim Andy ramène. Une autre attaque quelques instants plus tard se produit à la porteur Motta. Mais là aussi, Jim Andy reviendra rejoindre son jeune rival et Poulidor et les siens effectueront la soudure définitive. Un passage à niveau à quelques kilomètres de Girona. Heureusement qu'il n'y avait pas d'échappée et la course a été neutralisée pendant quelques instants. Et elle est ensuite repartie en direction de la frontière française. À Girona, capitale de la province de même nom à l'intérieur des terres, il fait chaud. Vous voyez, il y a même quelques chutes, heureusement sans gravité. Et la chasse à la canette commence avec ces images classiques traditionnelles. Ce sont surtout les équipiers des grands capitaines, comme par exemple Jim Andy, Motta et Poulidor, qui viennent remplir leurs poches de bouteilles, de canettes, pour les amener à leur chef de file. Poulidor, ici, paraît en difficulté. Antonin Magne agite les bras. Rien de grave, fort heureusement. Poulidor, à la suite d'un ennui de pédalier, je présume, doit changer de machine. Il repartira et rejoindra sans mal le peloton. Ce sont là des incidents extrêmement nombreux en course, et la plupart du temps, fort heureusement, ils n'ont aucune incidence sur le déroulement de la dite course. On s'approche de la frontière française et c'est alors que le temps se gâte, le ciel se couvre de plus en plus et bientôt une véritable averse va tomber sur le peloton. Ce qui aura d'ailleurs pour effet d'amener quelques attaques, d'amener les audacieux au commandement. Vous voyez que ce n'était pas chose aisée que de passer en certains endroits. Après une tentative de Désiré Lauter et de Gabi Cal qui n'a rien donné, c'est l'Espagnol Angelino Soler de l'équipe Peugeot qui se sauve à l'entrée de Portbou, au sommet du col de Bélit, de Balitre, plus exactement entre Portbou et Cerbère, à 50 km de l'arrivée. Il précède de 20 secondes un premier peloton dans lequel se trouvent Jim Andy, Poulidor, Motta, Janssen, Uriona, Brands, De Rosso, mais où ne figure pas Van Looy qui reviendra beaucoup plus tard. Soler porte un moment son avance à 1 minute 35 secondes à Banyuls. À 36 km de l'arrivée, à Port-Vendres, Soler à 1 minute 40 secondes. Mais malheureusement pour lui, une contre-attaque se développe avec 7 hommes qui le rejoignent à 22 km de l'arrivée. Les 7, il y a deux Espagnols, Uriona et Echevarria. Voici Uriona, Pingeon de l'équipe Peugeot, qui s'est, semble-t-il, remis de ses blessures des Pyrénées. Le champion du monde, Janssen, ainsi que Désiré Lauter, Gilbert de Smet 1 et Brands. En tout, 8 hommes qui comptent à ce moment près d'une minute d'avance sur le peloton. À quelques kilomètres de l'arrivée, Jim Andy crève. Il repart très rapidement aidé par ses équipiers et il réussira à recoller au peloton alors que la chasse est lancée extrêmement vide et extrêmement vive et que le peloton se rapproche de plus en plus des échappés. L'arrivée va se juger à Perpignan sur une ligne droite de 500 mètres à parcourir deux fois. La première avec le vent debout, la seconde fois en légère déclivité avec le vent arrière. On suppute les chances des hommes du peloton de tête. Janssen et Brands sont des hommes extrêmement rapides, mais Janssen à la côte. Et finalement, il prouvera qu'il avait raison d'avoir les pronostics pour lui, puisqu'il bat Brands de peu devant Pingeon et Gilbert de Smet. Quant au peloton, qui s'est présenté d'ailleurs en même temps sur le circuit d'arrivée, le voici avec un peu plus d'une demi-minute de retard. C'est Vandenberg qui va gagner le sprint devant le maillot vert Rebroek et Arenoutz. Au classement général, Janssen et Pingeon, qui étaient les mieux classés dans le groupe d'échappés, gagnent des places et du temps, tandis que l'Italien Jim Andy conserve le maillot jaune.
Vers midi, au Palais des Rois de Majorque, 104 coureurs se présentent au contrôle de signature. L'Espagnol Mandy Buru, malade, a déclaré forfait. En revanche, Hubert Ferrer est là. Hier, il a été opéré dans la soirée d'un abcès dentaire, mais bien qu'il avoue être encore sous le coup de l'anesthésie, il se réveillera à temps pour terminer dans le peloton à Montpellier. Montpellier, dont Arago tout à l'heure semblait nous indiquer la direction. En prévision d'un retard sur l'horaire dû à la tramontagne qui souffle avec violence, les organisateurs ont donné le départ avec 10 minutes d'avance. En fait, leur prévision était pessimiste car le peloton à 40 km de 234 de moyenne couvrira la distance et avec 20 minutes d'avance sur le meilleur horaire. En tête du peloton, Raymond Poulidor, très vigilant, qui pense déjà à l'étape cruciale demain, le Mont Ventoux. Toujours près de lui aussi, Felice Gimondi, le remarquable maillot jaune de ce Tour de France. Et sur la gauche, l'interminable file indienne des vacanciers qui, ici, assiste à la première échappée sérieuse, celle de Needham, ancien champion du monde de poursuite, qui a été rejoint par Verhagen, un Hollandais et un Belge, qui prennent rapidement 1 minute 20 secondes, en dépit du vent alors défavorable, car c'est seulement après Narbonne que ce vent soufflera de dos et aidera ainsi la marche du peloton. Narbonne, 57e kilomètre, 1 minute 30 d'avance à l'entrée de la ville pour les deux hommes, 1 minute 15 à la sortie. À Béziers, 2 minutes 30. Béziers, où les eaux calmes de l'Orbe offrent un contraste avec l'allure précipitée du peloton. Et à Agde, ici, l'allure encore augmentée dans ce peloton, si bien que Needham et Verhagen ne comptent plus qu'une minute 20 secondes d'avance. Une contre-attaque, en effet, signée d'Arrigat, d'Otagno, Fornoni et Vanchil, a réduit l'écart. Et c'est encore d'Arrigat qui, à l'avant de ce peloton, en compagnie de Poulidor et de ses hommes et de Gimondi et des siens, rejoignent Needham et Verhagen. Leur échappée à eux deux a duré 84 km. Cette est là maintenant, tout proche, c'est le 106e km de la course. À l'arrière, Rey, un Espagnol, est signalé à 5 minutes. Quant à Désiré Le Thor, le Breton, sa position est à 6 minutes 25 secondes. Il n'a plus que quelques kilomètres à couvrir dans ce tour, car en effet, Le Thor va abandonner à la sortie de la ville. Une tentative de Baudin de l'équipe Mercier ne donne rien. D'ailleurs, Antonin Magne lui intime l'ordre de rentrer dans le peloton. Il faut penser à demain, au terrible Ventoux qui se dessine à l'horizon. Et le peloton est alors regroupé à 30 km de l'arrivée. Mais Roger Alna, le juge à l'arrivée, demande aux voitures d'évacuer car en effet, 16 hommes se sont détachés à 25 km environ de l'arrivée à Montpellier. Parmi eux, des figures de proue du classement général, Jean-Claude Lebaume et le Hollandais Ast. Jean-Claude Lebaume, le voici. Il va réussir à remonter à la deuxième place du classement en soufflant pour 2 secondes cette deuxième place à Raymond Poulidor. Après lui, Wright, De Wolf, Brands, animateur patenté de ce Tour de France, André d'Arrigat qui vise une 23e victoire d'étape pour se rapprocher du record d'André Leduc, Benoni Beheit, l'ancien champion du monde, l'un des favoris du sprint éventuel, et Ast, toujours rageur, courageux, qui réussira à porter l'avance des 16 à 1 minute 45 secondes sur le reste du peloton. Le sprint s'annonce assez difficile d'ailleurs, mais dans le peloton, Raymond Poulidor, un moment, a été absent. En effet, il a été victime d'un léger incident matériel. Il a changé de vélo, il est ramené ici par ses équipiers. L'allure est très vive, car en tête, une nouvelle fois, Felice Gimondi est là. Gimondi, moins facile qu'à l'ordinaire, suivi ici par Doro. Et c'est le sprint au dernier kilomètre, les 16 sprintent donc avec 1 minute 45 secondes d'avance, quelques irrégularités. Louté, le Hollandais, semble se détacher assez nettement, mais regardez bien maintenant le sprint de face. Le petit Durante va prendre des risques à la corde et venir sauter juste sur la ligne. Louté, il faudra la photo finish. Premier Durante, deuxième Louté, troisième le Britannique Wright, quatrième le Belge De Wolf, cinquième le Hollandais Wouters. 1 minute 45 secondes plus tard, Dero règle le peloton devant Vandenberg, Janssen et Altermann. Dans ce peloton, Poulidor, Gimondi et Motta, tous trois à la veille du point névralgique du Ventoux et devant un invité d'honneur, Michel Jazy, en compagnie d'ailleurs de Claude Picmal.
Ce matin, au départ de la 15e étape Carpentras-Gap, 167 km, 103 coureurs. Et signalons tout de suite que ce soir, il n'y en a plus que 100, Alterman, Zoffel et Bellone ayant abandonné. On se méfie beaucoup de ces étapes de transition. Voici maintenant les héros du Ventoux. Raymond Poulidor qui a confirmé sa position de grand favori. Jim Mundy qui a défendu son maillot jaune aux limites de l'épuisement mais qui s'est fort bien repris. Le champion d'Espagne Jiménez qui pour une fois n'est pas passé en tête au sommet d'un grand col. Ayant été battu, vous l'avez vu, de quelle belle façon par Poulidor. Le Baube, meilleur français avec Poulidor, très régulier. Deuxième du classement général. Et Henri Anglade qui a beaucoup étonné lui aussi sur les pentes du Ventoux et étonné dans le bon sens du terme. Quant au Hollandais Janssen, il a repris le maillot vert de leader du classement par points. Motta, grosse déception hier, mais sans doute le jeune Italien n'a-t-il pas dit son dernier mot. Je vous disais que ces étapes de transition, on s'en méfie beaucoup car souvent elles ont amené des résultats extrêmement dangereux pour les hommes bien placés. Ce sont des étapes qui favorisent les coups fourrés, qui favorisent des échappés, bien que le parcours présente des difficultés moyennes. Aujourd'hui, il y avait deux cols, le col de Perti, situé à mi-parcours, et le col de la Sentinelle, à quelques kilomètres seulement de l'arrivée à Gap. Le peloton groupé est passé à Vaison-la-Romaine, mais ne vous y trompez pas, il y a eu de nombreuses attaques dès le départ de Carpentras. Au rayon des animateurs, a cité plus particulièrement Ginés Garcia à plusieurs reprises, Novak et le Britannique de l'équipe gitane, Danson, mais tous ces hommes ont rapidement été repris. Voici les premières pentes du col de Perti, qui est classé en troisième catégorie. Il fait chaud, bien sûr, nous sommes en été. Une chute, celle de Gabica, sans gravité fort heureusement, Gabica repartira, il y a eu beaucoup de chutes aujourd'hui. Et Ginés Garcia, une fois de plus, a accéléré l'allure. Et il tente de se détacher dans le col de Perti en compagnie de Pérez Frances, le héros de l'étape Axleterme Barcelone, qui est ici au commandement, et d'un autre espagnol, Galera. Trois espagnols appartenant à trois équipes différentes d'ailleurs, mais Jim Mundy veille, il a toujours son maillot jaune, bien que ne précédant Poulidor que de 34 secondes, et il entend le défendre jusqu'au bout. Quant à Henri Anglade, il ramène le peloton sur les trois espagnols et Jim Mundy. Autant dire que cette offensive, comme les précédentes, n'a rien donné. À l'arrière, pourtant, un drame commence à se jouer. Et le héros de ce drame, c'est un grand champion, Rick Van Looy. Le voici en compagnie de deux de ses équipiers, De Wolf et Sorgelos. Rick Van Looy, qui n'a pas pu s'alimenter depuis la veille, car il a été victime de refroidissement, traîne et lâché, il reviendra tout de même. Tandis qu'à l'avant, une nouvelle offensive, celle du jeune espagnol Momenier. Momenier qui appartient à la même équipe que Jiménez, qui aujourd'hui s'est réservé vraisemblablement pour demain, pour le Vars et l'Isoar. Momenier passera en tête au sommet du col de Perti, avec une avance assez appréciable sur la tête du peloton. Momenier qui va tenter lui aussi l'exploit, le cavalier seul, jusqu'à l'arrivée à Gap. Au sommet, il précédait d'une minute 10 Galera et Fornoni et d'une minute 20 secondes le peloton conduit par Brands, où figurent Jim Mundy et Poulidor qui va tomber dans la descente, se blesser légèrement et repartir, mais c'est tout de même un handicap pour Poulidor demain dans les grands cols alpestres. Descente extrêmement rapide. Sur Orpierre, où est situé le contrôle de ravitaillement et où une banderole rappelle ce que cette localité doit à la télévision française et à Maurice Sévenot, qui ont permis sa renaissance touristique. Momenier est passé avec plus de 2 minutes d'avance à Orpierre, tandis qu'à l'arrière, de nombreux démarrages se produisent en tête du peloton, qui sont tous contrés par les coéquipiers de Momenier. Et voici maintenant les abords du col de la Sentinelle, c'est-à-dire de la dernière difficulté du parcours. Momenier est sur le point d'être rejoint par un groupe de chasse constitué par 6 hommes, Pezzardi, l'Italien, Van Tangerlo le Belge, Mastrotto et Van Dongen, renforcés bientôt par Gilbert de Smet 1 et Verhagen. Ces 6 hommes tombent sur Momenier au pied du col de la Sentinelle et l'absorbent. Ici, Momenier est encore en tête, mais cela ne va pas durer très longtemps. Voici le groupe de chasse qui se présente et qui va réduire à néant les efforts du jeune espagnol. Quant au peloton, il est à plus de 3 minutes. Van Tangerlo, qui faisait partie du groupe de chasse, va perdre pied, et nous aurons donc au commandement 6 hommes, Momenier, Fezardi, Van Tangerlo, Mastrotto, Van Dongen et Gilbert de Smet 1.
dans l'ascension du col de la Sentinelle, une ascension assez brève mais extrêmement difficile sous le chaud soleil. Meménier lâche pied. Il lâche pied le premier. Ici, il est rejoint. Il est passé d'ailleurs sans coup férir, notamment par Gilbert de Smetin et Fezzardi qui vont poursuivre sur leur lancée. Tandis que le peloton, en tête duquel veille Raymond Poulidor et ses équipiers qui ont admirablement contrôlé la course aujourd'hui, Poulidor se conduit déjà en vrai leader du Tour, bien que Gimondi n'ait pas renoncé, ni dit son dernier mot. Remontons ici, du peloton, nous passons d'abord Meménier et Van Dongen qui se trouvent devant, puis Verhagen et Mastrotto qui sont intercalés entre les deux que je vous ai cités et les deux hommes de tête, Fezzardi et Gilbert de Smetin qui dans cet ordre passent au sommet du col tandis que Van Looy qui avait recollé après Orpierre est de nouveau lâché. Il est toujours entouré de sa fidèle garde rouge qui ne le quitte pas, le réconforte et tente de lui permettre de terminer l'étape. Van Looy d'ailleurs terminera l'étape mais en quel état et avec quel écart? Un quart d'heure. Le sprint d'arrivée pour la première place, Fezzardi et Gilbert de Smetin sont très près l'un de l'autre. C'est Gilbert de Smetin qui a lancé le sprint et qui est parti avec Fezzardi dans la roue. J'ai l'impression que Gilbert de Smetin, croyant avoir gagné, a levé le bras trop vite et relâché son effort, ce qui a permis à Fezzardi de le sauter sur la ligne. Quant au peloton, il se présente à plus de 3 minutes. Son sprint est remporté par Janssen, tandis que c'était intercalé entre les deux premiers, le peloton, Verhagen, Mastrotto, Meménier et Van Dongen. Aucun changement notable au classement général, bien que, évidemment, Gilbert de Smetin, qui était le mieux placé, gagne des places et du temps. Fezzardi est ému jusqu'aux larmes de sa victoire. Quant à Van Looy, il sourit.
Aix-les-Bains et son merveilleux décor du Mont Revard pour vivre avec vous les arrivées de l'étape contre la montre qui nous mène en effet d'Aix-les-Bains au pied du Mont Revard au sommet de cette côte après 26 km 900. Côte en fait col puisque la distance est assez longue pour être évaluée et différenciée surtout entre côte et montagne. 26 km 900 en effet à couvrir contre la montre. Avec un premier départ qui a été donné tout à l'heure à Joseph Groussard à 12h42. Le dernier départ étant donné dans quelques instants à 13h58 à Felice Gimondi, maillot jaune de ce Tour de France. Tous les coureurs partent de 2 en 2 minutes. Et pour remonter à partir de la dernière place vers les 10 premiers du classement général, nous vous indiquons que Gimondi est parti en dernière position. Devant lui, Poulidor, puis Le Baube, Motta, Pérez Française, De Rosso, Anglade et Brands. Franz Brands que nous voyons ici, l'un des coureurs les plus combatifs de ce Tour de France, au style peut-être peu esthétique, mais en tout cas très efficace. Deuxième au classement de la montagne, neuvième au classement général. L'une des révélations donc de l'épreuve cette année, organisée par l'équipe et le Parisien Libéré. Franz Brands qui peut causer l'une des surprises de la journée. Il est à 11 minutes 6 secondes au classement général. Depuis 3 jours dans les Alpes, il cherche à se rapprocher des premiers. Et actuellement, Franz Brands se trouve sur la partie la plus roulante du parcours. En effet, vous en apercevrez lorsque nous vous communiquerons les temps à mi-parcours, c'est-à-dire à environ 13 km 500. La première partie est effectuée beaucoup plus rapidement. Cela s'explique par le fait que les coureurs partent d'Aix-les-Bains vers Viviers-du-Lac et Méry, où ils tournent brusquement à gauche, c'est-à-dire avant d'entrer dans Chambéry, pour escalader le Mont Revard. C'est à Mouxy, très précisément, que commence l'escalade. Ensuite, ce sont des noms de pays que vous connaissez bien, si vous passez les vacances par ici, à Châternaud, Trévignin, Vénipère, et enfin, le sommet du Mont Revard. Un sommet, aujourd'hui, où règne une température idéale pour disputer une épreuve contre la montre. En effet, il fait très beau en bas, en haut un peu plus frais, ce qui n'est pas fait, évidemment, pour déplaire aux coureurs. Et c'est une foule immense qui a pris place au sommet, alors qu'en fait, en bas, bien sûr, et surtout du côté gauche de la route, comme en témoignent ces images, le public est beaucoup moins nombreux. Mais le spectacle est dans l'ascension. C'est pourquoi des milliers, voire des dizaines de milliers de spectateurs ont pris place sur les côtés du Mont Revard, sur les bords de la route du Mont Revard, afin de savoir si, oui ou non, Raymond Poulidor forgera aujourd'hui sa victoire dans le Tour de France. En fait, ce matin, quelques tuyaux nous ont donné de bonnes impressions à propos de Raymond Poulidor, mais aussi d'excellentes impressions en ce qui concerne Felice Gimondi. Celui-ci, depuis 2 jours, a repris confiance. En effet, il s'attendait peut-être à tort d'ailleurs à une attaque de Raymond Poulidor sur les Alpes. Cette attaque n'est pas venue car Raymond Poulidor, il ne faut pas l'oublier, a fixé 4 points stratégiques dans la construction de sa victoire du Tour. Les 2 premiers étaient Châteaulin et le Mont Ventoux. Le 3e est aujourd'hui ici au sommet du Mont Revard. Le 4e sera fixé entre Versailles et Paris le 14 juillet contre la montre. Ici, c'est Ginés Garcia, le jeune Espagnol de l'équipe Paloma, une découverte de Federico Bahamontes et maintenant dirigé par Raúl Rémy, qui vient de terminer son parcours. Pour l'instant, c'est Van Schiel qui est crédité du meilleur temps, alors qu'à mi-parcours, Monti a été pour sa part le plus rapide. Pendant quelques secondes, nous allons pouvoir observer les réactions d'un coureur. Ginés Garcia étant l'un des meilleurs grimpeurs du lot, il n'a pas pu d'ailleurs tout à fait démontrer sa valeur dans ce Tour de France, pour des raisons peut-être particulières, mais en tout cas qui lui sont strictement personnelles. On ne sait pas, l'année dernière, il était l'un des meilleurs grimpeurs du Tour de l'Avenir. Et cette année, il aura été l'un des rares Espagnols à ne pas se montrer, à ne pas se mettre en évidence, surtout dans la partie alpestre du Tour, alors que dans les Pyrénées, on attendait les Espagnols. Vous vous souvenez que, à l'exception de Jiménez, on ne les a guère vus. En fait, Garcia non plus. Aujourd'hui, nous attendons son temps pour avoir une idée, mais Garcia, qui n'est pas dans les 44 premiers du classement général, qui est 32e, pardon, exactement, du classement général à 35 minutes 15 secondes, ne concourt donc pas pour une place d'honneur. Et comme d'autres, il pense surtout aux étapes à venir, à éviter aujourd'hui l'élimination. Avec notre hélicoptère, notre ami Schmitt aux commandes et Jacques Lodeau à la caméra, nous allons pouvoir de temps à autre nous ramener en arrière, revenir en arrière afin de suivre le match Gimondi-Poulidor, un match qui est arbitré, cela va de soi, par Le Baube et Motta, ainsi que Pérez Française, qui sont partis devant eux. Voici notre cabine de l'Eurovision, ici au sommet du Mont Revard, une cabine très entouré, comme il se doit, avec derrière nous la colonie des PTT et tout près aussi une colonie de l'ORTF à la Fort Classe que tous les membres de l'ORTF connaissent bien.
Encore une fois, c'est un décor merveilleux dans lequel aujourd'hui a pris place le Tour de France. Un Tour de France qui pense connaître l'un de ses tournants, qui pense désigner les tout premiers, mais à la réflexion et surtout à l'annonce des temps, on s'apercevra peut-être que rien ne sera joué ce soir ici à Aix-les-Bains. Henri Anglade maintenant, ainsi que l'annonce la pancarte de sa voiture suiveuse. Henri Anglade dans son style assez aérien, assez léger, mais qui souffre comme tout le monde sur cette partie du parcours, car si le départ a été donné avec vent favorable, et pour notre part nous avions pris la roue de Rick Van Looy dans les premiers kilomètres, nous avons pu nous apercevoir que Rick partait très vite, mais brusquement, alors que le vent devenait défavorable, c'est-à-dire après le virage de Viviers-du-Lac, là, la course pour les concurrents devient extrêmement difficile. Et avant l'attaque du Mont-Revard, la plupart éprouvent le besoin de souffler un peu. Ce matin, la plupart des concurrents ont effectué quelques kilomètres afin de s'échauffer, mais ils ont tous la sensation, et si Anglade pouvait nous parler maintenant, la sensation que tout éclate en eux, aussi bien les organes que les muscles. Pour employer un terme de métier, dans les premiers kilomètres contre la montre, les coureurs ont l'impression que les cuisses vont éclater. Il n'en est rien, bien sûr. Mais c'est là le lot de tous ceux qui prennent des départs à froid. Mouxi, vous venez d'en apercevoir la pancarte. C'est le village. Ici, les bonifications. Ah, voici Gimondi. Je vous l'ai dit, 20 secondes au premier, 10 secondes au deuxième pour qu'ils prennent le maillot jaune. Raymond Poulidor doit donc battre Gimondi de 30 secondes. Et voici Gimondi. Ne nous fions surtout pas et ne tirons pas des premières conclusions après les premières images que l'on voit. Ne nous fions pas à son allure. Il se peut que nous trouvions là Gimondi sur une portion plus difficile. Il est lui aussi très avancé sur sa selle pour mieux pénétrer l'air. Beaucoup plus couché sur sa machine. Les bras presque à angle droit. Et pour mieux respirer, il vient brusquement de replacer les mains vers le milieu du cintre, un peu à la manière de Hugo Coblet lorsqu'il grimpait. Gimondi s'est reculé en même temps. Nous l'avons saisi, enfin les premières images de Gimondi, nous les avons eues au moment où il était en plein effort, et c'était sans aucun doute une portion un peu plus difficile, car la route n'est pas toujours, la même dénivellation. 11 secondes maintenant d'avance pour Poulidor, à 8 km de l'arrivée. Gimondi, et ça peut venir aussi de la conformation du terrain, Gimondi a repris une seconde. Le revoici à nouveau en plein effort, à nouveau arc-bouté. Il semble qu'il procède aussi à la manière de Raymond Poulidor, que de temps à autre, il pousse davantage pour couper un peu plus légèrement lorsqu'il sent que l'effort devient trop intense. Il faut tenir jusqu'au sommet. Et lorsqu'il se relâche quelque peu, Gimondi se recule sur sa selle. C'est très naturel d'ailleurs, ce geste dans l'effort, ce mouvement. C'est vraiment l'effort athlétique dans toute sa définition ici. Et pour relancer encore son développement, Gimondi s'est mis pendant quelques mètres en danseuse. Le voici à nouveau détendu. C'est forcément dans les virages que la pente est la plus rude. Gimondi, comme Poulidor, prend ses virages tout à fait à la corde. Le temps aux 19 km, 39 minutes 35 secondes. Celui de Raymond Poulidor était de 39 minutes 24 secondes. Cela donc correspond à l'écart de 11 secondes que nous venons de vous donner. Gimondi, plus fin, plus léger, plus grand aussi que Raymond Poulidor. Brusquement révélé par le Tour de France, mais dont on avait bien sûr pu déceler les grandes qualités l'année dernière dans le Tour de l'Avenir, et qui a éveillé l'attention des techniciens par sa deuxième place dans le Grand Prix de Forlì, à 2 minutes seulement de Jacques Anquetil. Jacques Anquetil qui venait de réaliser cet extraordinaire doublé, Critérium du Dauphiné et Bordeaux-Paris. Or, Félicé Gimondi, en terminant à un peu plus de 2 minutes, avait prouvé là qu'il serait dangereux dans le Tour de France, d'autant plus que le troisième était alors à plus de 6 minutes. Gimondi coupe bien sa route aussi, et on s'aperçoit à sa façon de pédaler, le talon très à plat, que lui aussi est en plein effort. Il n'est pas question ici de relever la jambe ou de chercher la meilleure souplesse. Janssen, coureur très complet, alors que nous retrouvons ici Gimondi. Gimondi dans un virage très difficile. Voici encore d'ailleurs un secteur
pentu. Gimondi prend pleine route maintenant car à la corde, ça marque trop. Dix secondes, l'écart entre Poulidor et Gimondi. C'était de 12 secondes tout à l'heure, puis de 11, maintenant de 10 secondes. Et si Gimondi, je le rappelle, termine à la deuxième place, c'est-à-dire prend 10 secondes de bonification, il manquera alors, en admettant que les écarts restent les mêmes jusqu'au sommet, ce sont là des probabilités bien sûr, il manquera 10 secondes à Raymond Poulidor pour prendre le maillot jaune. Ah, c'est tout à fait l'étape de l'année dernière, entre Versailles et Paris. La française a rejoint De Rosso. C'est lui que nous verrons sur la ligne d'arrivée alors que nous retrouvons ici Gimondi. Oh, Gimondi, au coup de pédale soudain, beaucoup plus lourd aussi. C'est à cet endroit que nous suivions tout à l'heure Raymond Poulidor. Et Gimondi subit la même pression. Cette terrible loi de la pesanteur. Eh oui. Le temps de Brands, 1h46. Eh bien, nous sommes renseignés, nous cherchions à savoir si Gimondi lui aussi zigzaguait un peu en pédalant. C'est son cas, d'une façon moins nette que Raymond Poulidor. Mais lui aussi, et je le répète, sur une difficulté aussi sévère que le Mont-Revard, il n'est guère facile de pédaler d'une façon toute droite, très droite. Gimondi qui se déhanche, qui remue la carrosserie selon l'expression... dans le jargon, et sur la ligne, deux hommes viennent de passer, Pérez Française et De Rosso. Yann Janssen est maintenant près de nous. Yann, qu'est-ce que vous pensez de... Asseyez-vous, parce que je pense qu'après un effort, vous avez besoin de vous asseoir. Yann Janssen, que pensez-vous de Gimondi et de Poulidor? Vous savez qu'à 3 km 500 du sommet, ils sont à peu près à égalité. Est-ce que Gimondi vous donne là l'impression de pouvoir tenir jusqu'au bout? Oui, je crois. Poulidor qui prend quelques secondes sur Gimondi, parce que tu vois le bac, Gimondi qui s'accroche hein, maintenant. Ça sort un petit peu, oui. Et ça, c'est très difficile parce que sur le dernier kilomètre, c'est encore plus dur comme avant. Oui, c'est plus dur, effectivement. Et Gimondi, nous venons de le voir alors que nous étions alertés par la pédalée de Poulidor. Gimondi subit le même sort motaté. L'impression que tous ces coureurs nous ont donné. Merci Yann Janssen. Et Gimondi n'a plus environ que 2 km 500 à couvrir, alors que pour sa part, Poulidor est à environ 1 km du sommet. Et 8 secondes d'avance pour Gimondi, voilà la dernière nouvelle. 8 secondes d'avance pour Gimondi. 8 secondes sont des temps qu'on nous donne. Et bien voilà, voilà où nous en sommes, alors que Gimondi termine. Je le répète, à 2 km 500 du sommet, Gimondi, qui avait compté jusqu'à 12 secondes de retard sur Poulidor après avoir eu de l'avance sur lui, sur le plat, Gimondi a maintenant 8 secondes d'avance. Gimondi, encouragé par Luciano Pezzi, son directeur sportif, alors que Jacques Lemuller, du temps de salle de sa moto, demande aux voitures d'évacuer. Et Gimondi qui s'accroche et qui défend merveilleusement son maillot jaune va à son tour terminer. Il aborde là la portion la plus facile de l'ascension. Bien sûr, il ne s'agit pas du secteur Aix-les-Bains, le vivier du lac, mais les deux derniers kilomètres ici sont un peu plus faciles. Le vent qui tout à l'heure commençait à se lever est à nouveau pratiquement nul. Tout le public qui vibre à ce match extraordinaire, applaudit Gimondi. 12 secondes. 1 minute 12 secondes. Raymond Poulidor ici semble très déçu. 1 minute 12 secondes. Il lui faudra les combler avant l'arrivée à Versailles. Sur les 40 km, surtout contre la montre, entre Versailles et Paris. Mais le problème reste entier. Il semble que Raymond Poulidor aura beaucoup de mal à battre Gimondi.
Ah, bravo Gimondi, cette performance le situe définitivement, celui que les Italiens appelaient déjà le nouveau Fausto Coppi, vient donc de conserver son maillot jaune, un nouveau très grand champion est né, presque automatiquement j'allais ajouter un nouveau très grand champion français, mais Raymond Poulidor, battu de 13 secondes, battu de 13 secondes, pourra peut-être nous expliquer tout à l'heure, alors qu'à notre tour, nous allons tendre notre micro vers Felice Gimondi. Notre micro, si toutefois on le trouve. Hein. Ma quando ho rotto il rapporto ero in vantaggio, poi ho perso, sono andato 20 secondi sotto e quindi in finale ho recuperato ancora, quasi cadevo perché ero solo sui pedali per dare un colpo. Che rapporto hai rotto? 18, proprio il rapporto della salita. Ho messo il 19 ma ero troppo agile. Ma è troppo grande, 18, sì. No, il 18 andava bene, ma sullo scatto in salita mi si è rotto. Sì. Capito? Sì, sì, sì. Ha dovuto salire con un rapporto molto più duro. Si Gimondi nous explique qu'il a cassé son rapport, ou si vous voulez, son pignon de 18 dents sur la roue libre, et qu'il a dû ensuite grimper sur le 19 et le 20 dents. Ce sont là évidemment des termes très techniques, propres aux coureurs cyclistes, mais cela signifie aussi que Gimondi n'avait pas les conditions mécaniques nécessaires. Il n'était pas question pour lui de changer de machine. Ce matin à Auxerre, 96 coureurs au départ de cette avant-dernière étape, la 21e, 225 km, Auxerre-Versailles. En effet, le Belge Armand de Smet souffrant s'est abstenu. Cette avant-dernière étape est pour Raymond Poulidor peut-être l'une des dernières occasions de distancer le leader du classement général, l'italien Gimondi, avant l'épreuve de vérité demain entre Versailles et Paris. La lanterne rouge, Joseph Groussard. La tradition veut en effet que les dernières étapes, et surtout la dernière, comme celle de demain est contre la montre, c'est donc l'avant-dernière, permettent certaines facéties. Vous avez vu Motta, voici maintenant qui est plus sérieux. Janssen, qui est tombé hier dans la descente du col de l'Épine, plus exactement il y a deux jours, se fait soigner par le docteur Dumas. Quelques instants plus tard, il crève et il revient très rapidement dans le peloton, emmené par son coéquipier Ferrer. Dans la caravane, vous ne l'avez pas vu souvent, vous l'avez vu en coup de vent, notre confrère Fred De Bruyne, vous avez vu tout à l'heure Richard Diot, voici le Georges Rance, l'ancien grand champion belge, et Henri Anglade qui, lui, se permet de lire le journal, car l'allure est extrêmement lente. Raymond Poulidor ne paraît pas trop inquiet en compagnie de Casala, pourtant Poulidor a des soucis. Pour lui, le Tour de France ne tient vraiment plus qu'à un fil, on lui donne 2 chances contre 8 à Gimondi. Le peloton roule calmement à travers la Beauce. Il y a eu pourtant quelques échauffourées au cours de la première partie de cette étape. On a vu un instant jeûner au commandement en compagnie de Fornoni, puis repartir avec Partezotti, mais ceci n'est pas sérieux. Et encouragé, semble-t-il, par ses banderoles, voici que le maillot jaune, Felice Gimondi, effectue une nouvelle démonstration de son autorité. Il part, il prend 100 mètres au peloton. C'est une sorte de guerre psychologique vis-à-vis de Raymond Poulidor, car il s'agit pour Gimondi de montrer qu'il estime être le plus fort, qu'il est le patron du peloton et qu'il n'entend laisser partir personne. Henri Anglade, ici, vous apercevez que parfois en tête du peloton c'est extrêmement rapide. Il y avait également Motta dans ce groupe, mais ce sont là des coups de fusil en tête de la course qui n'ont aucune incidence sur la suite des opérations, car tout rentre rapidement dans l'ordre, quelques accélérations, quelques tentatives qui ne donnent rien. Après le contrôle de ravitaillement de Pithiviers, rien ne s'est encore passé de sérieux. On attend, semble-t-il, la côte de Dourdan et la vallée de Chevreuse pour attaquer. Et quand on dit « on pense surtout évidemment à Raymond Poulidor. La côte de Dourdan se situe en effet à 35,5 km de l'arrivée. Et c'est alors que l'on assiste à un démarrage. En tête du peloton, il y a Beheit, Vandenberg, l'Italien des Rosso, Henri Anglade, qui partent pour passer d'ailleurs à peu près dans cet ordre au sommet. Et c'est à ce moment-là que Raymond Poulidor, je ne dirais pas joue son va-tout, mais tente de décramponner Gimondi.
L'Italien qui le surveille, qui ne le quitte pas d'une semelle, d'une roue, peut-on dire, réagit très bien. Raymond Poulidor insiste un moment, mais s'apercevant qu'il ne parviendra pas à lâcher Gimondi, il renonce. C'est donc pour demain l'ultime explication entre les deux hommes. Une échappée après la côte de Dourdan, Junkermann, Bouquet et Nijdam furent au commandement, puis Brands, Lute, Gilbert de Smet II, Portaloupi, Schleck et l'Espagnol Elorza. Mais un regroupement est intervenu très rapidement, ces hommes ayant été repris, et c'est alors que se situe l'offensive payante de la journée. À 20 km de l'arrivée, en effet, le Hollandais Carstens a démarré. Il est très loin au classement général. C'est un ancien amateur, néo-pro plus exactement. Il a été champion du monde contre la montre par équipe, olympique plus exactement. C'est un fils de notaire. Il paraît que ses parents n'aiment pas trop le voir faire de la bicyclette. Mais Carstens veut se faire un nom dans le vélo. On l'avait déjà vu mener le sprint du peloton avec une façon magistrale lors de l'arrivée à Lyon. Ici, il appuie très fort sur les pédales et réussit à creuser un écart suffisant pour ne plus être rejoint. Il aura même 1 minute 10 secondes d'avance, tandis qu'à l'arrière, Pinjon, dans une côte située à Châteaufort, crève et revient sur le peloton assez étiré. Passage à Buc, toujours en tête dont Carstens. En tête du peloton, déjà, on prépare le sprint pour la deuxième place. C'est un nouvel épisode de la guerre civile entre les Flandria et les Supervia en Belgique. Ici Rebroek, Janssen qui défend son maillot vert et bien entendu Rick Van Looy qui lui aussi se poste aux tout premières places pour essayer de disputer ce sprint et de remporter la deuxième place de l'étape. Carstens n'est donc pas inquiété, il triomphe seul avec 45 secondes d'avance sur le peloton qui va se présenter au bout de cette ligne droite ici à Versailles. Carstens, c'est une belle consolation pour l'équipe télévisée hollandaise qui avait perdu son leader Haast dans le Lotharé. Sprint pour la deuxième place, c'est Van Looy qui l'emporte devant Rebroek et Vandenberg. Van Looy qui a remporté deux étapes et deux places de second, un très beau Tour de France à l'actif du champion belge. Bien sûr, Gimondi conserve le maillot jaune, tandis que le Hollandais se congratule. Gimondi avant la grande étape de demain, l'ultime explication avec Poulidor. Ici de l'équipe télévisée. Un Hollandais, alors que le peloton qui va sprinter pour la deuxième place était emmené il y a environ 200 mètres, ou depuis 200 mètres, comme vous voudrez, par Bouquet devant Rijbroek. Rijbroek qui continue de lutter pour le maillot vert, mais il faut suivre surtout la course de Jan Janssen, le champion du monde. Trop bien placé au maillot vert pour renoncer à un sprint. Un sprint qui s'annonce en tout cas assez mouvementé dans les 200 derniers mètres et un sprint qui avait vu une chute il y a quelques années de cela et dont Darien avait été la victime. Toujours Rijbroek d'ailleurs. Mais Van Looy maintenant résiste, non. Si, deuxième Van Looy, troisième Rijbroek, quatrième Vandenberg, cinquième Beheit, sixième Dero, septième Janssen, huitième Wright, neuvième Desmet et dixième Sagardui. Alors que Sagardui se retourne et tempête, proteste auprès de Michel Grain, le Français. Il l'a peut-être gêné, mais de toute manière, il y a un film qui est développé après l'étape, car sur la tour Mercedes, à environ 200 mètres de la ligne, un opérateur filme l'arrivée. On appelle cette tour la tour Mouchard. Et en effet, ici, il n'est pas possible qu'un coureur puisse tirer un autre par le maillot sans que son action ou sa mauvaise action, comme vous voudrez, échappe à la caméra. Et si bien que le film est développé quelques instants après l'arrivée, et si Michel Grain s'est rendu coupable d'une faute contre Sagardui, mais pour la 9e ou 10e place, il sera pénalisé. Bien sûr, nous n'incitons pas les commissaires à suivre la réclamation de Sagardui. Mais je tenais à vous signaler cette nouvelle organisation dans le Tour de France, c'est-à-dire la présence d'une caméra à 200 mètres de la ligne. Et vous faites maintenant connaissance avec... Ici, à quelques mètres de l'entrée du parc, les directeurs sportifs sont aiguillés vers la droite. Et l'homme qui se présente maintenant va recevoir une ovation monstre, vous vous en doutez, car il s'agit de Monsieur Rick Van Looy. Voici donc Rick Van Looy qui termine ici. Deux victoires d'étape dans le Tour, deux places de deuxième. Si seulement à Gap, on lui avait dit qu'il va terminer le Tour de France, il est possible qu'il en aurait été le premier surpris, car bien qu'il ne renonce jamais, cette fois, Rick Van Looy était si mal en point après sa défaillance dans le col de la Sentinelle qu'il se demandait s'il pourrait déjà le lendemain seulement terminer dans les délais. Et il a non seulement terminé dans les délais, mais deux jours après, il remportait l'étape de Lyon. Et hier, à Versailles, il prenait la deuxième place. D'ailleurs, regardez maintenant, Rick Van Looy terminé au sprint
dans toute sa puissance ici, cette étape contre la montre où il ne peut pas non plus lui espérer une place dans les 15 premiers. Je crois que ce Tour de France se termine chez Eric Van Looy sur cette conclusion. Il lui sera désormais impossible d'espérer une victoire dans le Tour, car le Tour fait trop appel aux vainqueurs, trop appel aux hommes complets, et dans son jeu, Eric Van Looy a malheureusement pour lui une lacune. Il n'est pas parmi les meilleurs grimpeurs. Ici l'Espagnol. Et voici Gimondi qui se présente ici, juste sur la ligne de départ. Felice, avez-vous confiance à Fiducia? La fiducia oggi? Beh, fiducia, sì, se non di vincere la tappa, cercare a me conservare la mia maglia gialla. Oui, si vous ne gagnez pas l'étape, vous avez confiance de conserver le maillot jaune. Vous êtes aussi bien que pour le Mont Revard, là, ici, sente bene, comme Imperial Revard? Si, si, bene, benissimo. Bon, eh bien, nous n'allons pas importuner davantage Gimondi. Vous remarquez que de tous les concurrents au départ desquels nous avons assisté, c'est le plus concentré, et c'est tout à fait normal, car indiscutablement, aujourd'hui, il joue une énorme partie. Ce Gimondi qui était coté dans les milieux cyclistes avant le départ du Tour de France, que l'on considérait comme un porteur proviseur du maillot jaune, comme une sorte d'outsider et de lieutenant d'Adorni, et qui maintenant, par sa classe, par sa combativité, parce qu'il y a cru et qu'il n'a pas voulu s'avouer battu, est devenu une grande vedette du cyclisme. Dans quelques instants, le départ de Gimondi. Combien de secondes encore? 20 secondes. 20 secondes avant le départ de Felice Gimondi. Je vous laisse attendre en sa compagnie. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top! Et voilà, c'est parti Robert. Le grand suspense commence. Quel dommage qu'il y ait tout de même 1 minute 12 secondes d'écart entre Poulidor et Gimondi. Car franchement, en dessous de la minute, c'eût été aussi sensationnel que l'année dernière. À vous Robert. Et bien sûr, ce départ de Gimondi, nous allons interrompre pendant quelques instants seulement, car seul l'ORTF assurait en direct ces images ici. Maintenant, entre en circuit tous les pays de l'Eurovision, et pendant quelques secondes, nous allons pouvoir, avec eux, tout d'abord entendre le générique de l'Eurovision, et ensuite reprendre à notre tour un nouveau départ. Déjà deuxième l'année dernière. On a également constaté que la troisième place marquait souvent la fin de carrière d'un champion. Or, Motta n'a que 23 ans, vous pensez qu'on lui souhaite une autre fin. Felice Gimondi maintenant ici, qui semble absolument survolté, toujours très électrique lorsqu'il se remet en danseuse, lorsqu'il imprime à sa course un changement de rythme très brutal. Gimondi ne paraît jamais en difficulté. Il n'y a pratiquement aucun temps d'arrêt dans sa pédalée. Et voici ce nouveau très grand champion dont effectivement... Les images ici rappellent la silhouette de Fausto Coppi au début de sa carrière. Un Fausto Coppi encore peu étoffé. Car il était inévitable que l'on cherche des points de comparaison. À qui comparer Felice Gimondi, qui en termine ici avec la traversée du pont de Sèvres? Beaucoup l'ont comparé à Louis Zambomet. Pour ma part, je ne suis absolument pas d'accord. D'ailleurs, je ne crois pas que vous retrouverez là la silhouette de Louis Zambomet, mais plutôt celle d'un Fausto Coppi. Felice Gimondi, qui avait marqué son premier point en attaquant vers Roubaix et en prenant une minute au peloton, et la deuxième place surtout de l'étape ce jour-là, donc déjà 30 secondes de bonification, devait confirmer le lendemain à Rouen en remportant l'étape et avec un écart suffisant pour lui permettre de vivre alors jusqu'à la fin du Tour de France, non pas en toute tranquillité, mais l'esprit assez serein tout de même pour repousser les attaques de Raymond Poulidor et de Gianni Motta. Et ce jour-là, dans l'échappée vers Rouen, Gimondi avait pris le relais de deux Français, Bodin et Novak. Il est peut-être bon de rappeler, c'est un détail assez curieux, qu'un seul Français aura porté virtuellement le maillot jaune dans ce Tour de France. Excusez-moi, je suis un peu ému, mais on n'a pas le droit de siffler un garçon comme Poulidor. Il est battu, c'est un fait, il est battu, mais il a été battu malgré tout en grand champion. On l'a critiqué, on a dit qu'il avait attendu, on a dit qu'il avait voulu jouer les Jacques Anquetil. Mais s'il y a une chose, je pense, qu'on a oublié, c'est que malgré tout, il est un homme, il a le droit d'avoir des faiblesses,
Ses faiblesses, il les a eues au mauvais moment. Il est tombé sur un champion qui mûrit, qui est même mûr et qui, malgré tout, va faire, je crois, dans le cyclisme une grande carrière. Bien sûr, voilà Gimondi. Bravo Gimondi, nous bravo Raymond. Merci Henri Anglade. Nous ajoutons nous bravo Anglade. Et Gimondi n'a plus que 500 mètres à couvrir ici, dans ce Tour de France. Il termine dans un véritable délire. Félicé Gimondi remporte le premier Tour de France de sa carrière. Le premier qu'il a couru aussi. Et il rejoint en cela Fausto Coppi et Jacques Anquetil, les deux seuls coureurs ayant gagné le premier Tour de France qu'ils disputaient. Gimondi tout en souplesse, on oserait presque dire aussi tout en grâce, en champion du style moderne, a lutté jusqu'au dernier mètre, c'est fini, il a gagné. Rappelons que, à partir d'Henri Anglade, les coureurs partaient de 2 minutes 30. Et cette vue aérienne du château de Versailles et des environs du château de Versailles nous amène directement au départ de la 22e et dernière étape. Au moment où Mario Bonnet d'ailleurs nous appelle. Oui Mario, à vous. Eh bien Anglade va partir dans 10 secondes. Vous avez 5 secondes pour dire votre confiance. Eh bien je vais me battre jusqu'au maximum. En effet, Henri Anglade, il est bon de le signaler alors qu'il prend le départ pour l'étape contre la montre. Se trouve au classement général dans la position la plus intéressante peut-être puisqu'il est à 13 secondes seulement de Pérez Frances qui le précède immédiatement et qui occupe la 5e place et à 40 secondes de Le Baube qui est 4e du classement général. Donc Henri Anglade, si aujourd'hui il réalise une performance comparable à celle du Mont-Revard, a une chance de tout premier ordre de prendre la 4e place du Tour de France. A vous Robert, je vous rappellerai dès que Le Baube se présentera ici sur la ligne de départ. Il est bon de préciser qu'à partir d'Henri Anglade, les coureurs, au lieu de prendre leur départ chaque minute 30, c'est-à-dire toutes les 90 secondes, partent de 2 minutes 30 en 2 minutes 30. Ceci afin que les tout premiers du classement général, qui partent, et c'est toujours ainsi dans les épreuves contre la montre, en sens inverse du classement, puissent bénéficier d'une course très très régulière. C'est ainsi qu'après Henri Anglade, on verra partir Pérez Frances à 15h18 minutes 30 secondes, à 15h21 minutes Le Baube, à 15h23 minutes 30 secondes Motta, à 15h26 minutes Raymond Poulidor et à 15h28 minutes 30 secondes le maillot jaune Félicé Gimondi. Ici au Parc des Princes, pour l'instant, nous en sommes aux arrivées après Verhagen, François Mahé, très très applaudi car il terminait son 13e Tour de France, Swerth, Monti et Castello. Nous en sommes au classement suivant. En tête, l'Italien Diego Ronchini, un ancien champion d'Italie et vainqueur du Tour de Lombardie, qui a réalisé le temps de 52 minutes 55 secondes. Avec 53 minutes 21 secondes, on trouve en deuxième position l'Espagnol Echevarria, déjà signalé à Châteaulin. Avec 53 minutes 24 secondes, Needham, qui est troisième pour l'instant, et ce n'est pas une surprise, Needham est l'ancien champion du monde de poursuite. Le quatrième est Jean-Claude Lefebvre, dans le temps de 53 minutes 42 secondes. Et ensuite, il nous faut descendre à 54 minutes pour trouver, avec 54 minutes 1 seconde, Colombo, un autre Italien, et Fornoni, ancien champion olympique par équipe sur route, 54 minutes 2 secondes. Le septième temps est réalisé par le Hollandais Basse Maliépar, 54 minutes 53 secondes. À vous Mario. Je vous interromps parce que Le Baube va prendre le départ dans peu de temps. J'ai l'occasion de lui parler un peu plus tranquillement qu'à Anglade. Vous savez Le Baube, vous êtes aujourd'hui très menacé pour cette quatrième place. Oui, je sais, par Pérez Frances et par Anglade même. Oui. Que comptez-vous faire? Est-ce que vous vous sentez mieux qu'avant le revers? Je suis peut-être un peu plus confiant, mais enfin je suis quand même fatigué. Oui, et je crois d'ailleurs que la fatigue c'est général dans le peloton. Oui, c'est général, mais enfin... Il y a des coureurs qui ont plus ou moins couru, alors il y a plus ou moins de fraîcheur quand même. Vous-même, vous avez l'impression que votre équipe, avec ou sans Anquetil et sans Anquetil dans le Tour de France, a beaucoup trop couru cette saison? Surtout, oui, certains. Ouais. Moi, comme par exemple, j'ai fait le Tour d'Espagne, le Dauphiné, le Tour de Luxembourg, le Tour de France, ça fait quand même pas mal. C'est également le cas de Poulidor d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va avoir peut-être du mal à le gagner.
Oui, en effet. Bah, tout de même, aujourd'hui, vous allez essayer de limiter les dégâts. Bah oui, c'est toujours... Vous avez tout de même un petit espoir de garder cette quatrième place? On a toujours l'espoir quand même, hein, tant qu'on ne peut pas savoir. En fait, il faut que ça vous serve de doping, il ne faut pas être résigné. Ouais, ouais. Bon, eh bien, je vous souhaite, comme disent les Italiens, buona fortuna. Merci le Bob. À vous, Robert. Nous tenons à vous expliquer qu'aujourd'hui, nous tentons une expérience. Mario Benin est resté sur la ligne de départ ou en duplex avec nous. Il peut ainsi recueillir quelques mots avant le départ des premiers du classement général. Et je crois que le Bob, à ce propos, a été assez prolixe. Le Bob, à qui on reproche trop souvent sa grande modestie, sa trop grande discrétion. Donc le Bob aura pu, grâce à Mario Benin, sans aucun doute, se décontracter, car ce sont précisément ces dernières minutes que... Allô, Robert Chapat. Oui. Allô, Robert Chapat, oui, je vous interromps une nouvelle fois, car voici Raymond Poulidor, qui lui aussi, à quelques instants avant le départ, je pense qu'il est préférable de lui parler maintenant. Raymond, une seule question, celle que tous les Français aimeraient vous poser, vous y croyez encore? Ben, comme j'ai dit hier au soir, j'ai une petite chance, quoi, évidemment, elle est minime, mais je pense avoir une petite chance, alors je vais faire le maximum. Voici un télégramme, je crois qu'on pourrait vous l'ouvrir, comme ça vous pourriez en prendre connaissance en même temps. J'en reçois beaucoup, je remercie vraiment tous mes supporters qui m'encouragent beaucoup et je vous assure que ça aide vraiment. On peut vous demander, à moins que ce soit un télégramme personnel, de nous lire ce qu'il y a écrit. Oui, nous comptons sur toi pour cette dernière bataille que nous souhaitons victorieuse pour le bien du sport français. Stop. Nous sommes de tout cœur avec toi pour ta victoire finale, un groupe de supporters de François. Serez-vous bien renseigné tout au long de la course? Ben, je l'espère, oui. C'est l'essentiel pour vous. C'est l'essentiel, oui. Enfin, de toute façon, vous n'êtes pas résigné, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On dirait Raymond Poulidor, il a un tempérament qui n'est pas assez batailleur. Il sent qu'il est battu et il ne va pas faire l'impossible aujourd'hui. Et même s'il essaye, il aura inconsciemment une sorte de handicap. C'est pas votre impression? Si, justement, je vais faire l'impossible, tout au moins essayer de gagner l'étape. Mais ce sera vraiment très difficile, mais je vais jeter toutes mes forces dans la bataille. Car l'an dernier, avec Anctil, nous avons fait une finale formidable. Alors j'espère que cette année, ça en sera de même avec Gimondi. Mais il semble que votre espoir soit surtout de gagner l'étape beaucoup plus que le Tour de France aujourd'hui. Eh bien évidemment, car il me faudrait reprendre 63 secondes et c'est vraiment beaucoup sur un garçon comme Gimondi qui est jeune et qui en plus de ça est fort. Oui, sait-on jamais, vous étiez dans un mauvais jour pour le revers, peut-être ce sera son tour aujourd'hui. Oui, je l'espère. On est presque réduit à le souhaiter pour vous. Ben non, je souhaite que ce soit le plus fort qui gagne. Mais merci Raymond, c'est une très belle parole et très sportive. La communauté de Villemont-Marthe, représentée par son amiral, vous offre l'assiette. Les révoltés de la Bounty, oui. C'est un talisman pour gagner. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tenez-vous montrer l'assiette, c'est les révoltés du Bounty. J'espère que cela vous incitera à vous révolter aussi contre le sort. Merci Raymond, bonne chance. Nous cherchons maintenant Gimondi, mais il est allé là-bas, très loin. Robert, je préfère vous rappeler lorsqu'il sera à notre portée. A tout à l'heure. Eh bien, ce qui nous fait plaisir surtout, c'est de voir l'apparente décontraction de Raymond Poulidor, car j'ai l'impression que Gimondi et Poulidor ont assez mal dormi cette nuit. C'est une grande partie de leur carrière qui est engagée et chacun de son côté entend évidemment en tirer les meilleurs avantages. Pour Raymond Poulidor, c'est peut-être la dernière, car à 28 ans ou à 29 ans maintenant, Raymond Poulidor pensait cette année tenir enfin la chance que jusqu'ici Jacques Anquetil lui avait refusée. Malheureusement, il nous l'expliquait hier, il avait tout prévu sauf l'éclosion d'un super champion nommé Felice Gimondi. Et ici au Parc des Princes, d'ailleurs je crois que Gilbert Larriaga va vous le montrer Robert en effet. Oui, Robert oui. Chapat, je vous interromps car Mota va partir dans moins d'une minute. Mota, le tour pour vous évidemment, vous ne pouvez plus le gagner. Est-ce que vous voulez gagner cette étape? Oui, aujourd'hui je veux gagner, mais elle est très difficile. Pourquoi Raymond, il veut gagner aussi lui pour le tour. Gimondi veut gagner lui pour maintenir sa position. Moi, je veux gagner pour gagner l'étape. Bien sûr, pour gagner au moins une étape. J'espère. Dans ma santé aujourd'hui, c'est bon. J'espère de gagner. Que pensez-vous de Gimondi? Comment? Que pensez-vous de Gimondi? Oui, c'est beaucoup fort. Hein? Il peut gagner. Je vous souhaite de réaliser une bonne performance. Comment? Je vous souhaite de réaliser une bonne performance. Voilà pour tout, là. Merci, merci. À vous, Robert. Vous avez tous remarqué, amis, qu'entre Mota et Gimondi, il y a toujours cette petite tension, car Mota, s'il est heureux que le Tour de France puisse aller à un Italien, n'en pense pas moins qu'il aurait préféré que cet Italien soit lui-même.
Avant le départ du Tour de France à Cologne, il n'était pas 5 journalistes à croire Gimondi en mesure de tenir un rôle sérieux dans la course. Après 4 étapes, presque tous le voyaient terminer parmi les 5 premiers. Et dès les premières montagnes franchies, la majorité le désignait comme un vainqueur probable. Il avait suffi de 2000 km sur les routes de France pour révéler puis confirmer à tous ce long et jeune garçon au visage de jeune premier. Son étonnante maîtrise, son ardeur, sa science quasi parfaite de la course étonnaient autant que son comportement athlétique. En lui, on retrouve l'allure d'un grand, d'un Coppi, d'un Koblet, d'un Bobet ou d'un Anquetil. Qu'en pense d'ailleurs Anquetil puis Adorni, l'équipier et l'ami de Gimondi? Et je pense qu'il gagnait un Tour de France de la façon dont il l'a gagné, parce qu'il a contrôlé le Tour dès le troisième jour, je crois, où il a endossé le maillot jaune à Rouen. Et on ne gagne pas le Tour de France quand même à 22 ans sans avoir d'autres résultats par la suite. Et je crois que Gimondi sera sûrement un des meilleurs des jeunes coureurs de la génération. Pour moi, Gimondi, il est un grand champion, pourquoi il a gagné le Tour de France et il a fait troisième le Tour d'Italie. Il a 23 ans et c'est difficile pour un coureur qui est le premier rang, qui est professionnel, à gagner le Tour de France. Je n'ai jamais fait un coureur italien qui a gagné le Tour de France comme ça. Au pied du Mont Revard, son rendez-vous avec Poulidor devait décider de la victoire finale. Jean Stablinski, pourtant absent du Tour, figurait parmi ceux qui croyaient en lui. C'est un coureur de très grande classe, un coureur de race, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez remarqué de plus brillant en lui? Eh bien, c'est un coureur qui a du tempérament. Il va souvent dans les attaques, quoi, dans les échappées. Il essaie toujours de profiter des bonnes occasions. D'ailleurs, il les provoque. Et puis, aux arrivées, je pense qu'il va quand même assez vite. Il l'a prouvé, d'ailleurs. Gianni Motta, le rival national, admet mal la supériorité de Gimondi. Est-ce que vous croyez qu'en règle générale, vous êtes meilleur que Gimondi? Non, non. Gimondi, je pense que Gimondi, c'est plus fort de moi qu'on le montre. Et dans les autres domaines, le sprint ou la montagne? Oui, la montagne, peut-être que je joue bien avec lui. Le sprint, je pense que c'est plus fort, moi. Moi, à tout ça, à l'année prochaine. C'est entre Versailles et Paris que Gimondi a porté le dernier coup à Poulidor. Un coup de massue. Il l'a battu plus nettement encore que n'avait pu le faire Jacques Anquetil l'année précédente. Cependant, Poulidor puis Simpson émettent quelques réserves à son sujet. Je pense que Gimondi peut faire un très grand champion. Maintenant, on ne peut pas le juger sur une seule saison. Il faut attendre les années qui viennent. Alors dans les courses par étapes, d'après vous, il sera meilleur que Jacques Anquetil? Oui, il faut qu'il en ait un peu pour faire meilleur. Même pour arriver égal, il faut qu'il fasse beaucoup plus qu'il a fait. En fait. Au Parc des Princes, selon la formule, il est entré de plein pied dans la gloire. Tous les Français l'ont adopté et en Italie, il est devenu l'idole sportive. Et tout cela acquis en 4 semaines. Votre victoire en France a-t-elle changé votre vie? Cela n'a rien changé, ni dans ma vie, ni dans ma maison. C'est à Cedrina, dans la vallée Brembane, à quelques kilomètres de San Pellegrino, qu'est né et vit toujours Felice Gimondi. Cedrina, un village calme, sans histoire, fidèle aux traditions bergamasques, les hommes sont courageux et travailleurs, avec toutefois ce rien de réserve vis-à-vis de tout ce qui vient de la ville. Les femmes sont bonnes cuisinières, mais depuis toujours, elles assurent aussi la matérielle du ménage. Ainsi, chez les Gimondi, alors que le père et les fils conduisent les camions de l'affaire familiale, une affaire qui a pris de l'expansion depuis la victoire dans le Tour, la mama de son côté a une occupation. La mama, c'est la factrice du village. 30 ans de carrière, la retraite approche, mais pas question de renoncer au point des dernières années d'activité. Malgré les succès et la fortune de Felice. Une factrice solide et souriante, au coup de pédale allègre, en forme aux 4 saisons. Thank you.
Selon vous, êtes-vous plus populaire en France qu'en Italie? Secondo me sono più popolare in Francia. In Francia. En France, on me comprend mieux. On connaît ma date de naissance et on sait quand j'ai appris à marcher. J'ai été plus applaudi en France qu'en Italie. Mentre questo in Italia non lo sanno, insomma. È duro. E sono anche stato più applaudito in Francia che in Italia. C'è il cousin qui parle le français, c'est le siège du club des supporters. Les tifosi aussi acharnés au jeu de cartes que dans les encouragements à leurs champions. Essayez donc de leur dire que Gimondi ce n'est pas de la graine de Campionissimo. Pour eux, il a déjà pris le relais de Fausto Coppi. Felice aimerait bien battre la carte avec eux, mais il ne peut pas faire plaisir à tous. Et puis, les parties se terminent trop tard dans la nuit, alors que Felice est couché depuis longtemps. À Cedrina, on vit désormais au rythme de Gimondi. Les jeunes sont capables de rappeler sans faute toutes ses performances et lorsqu'ils courent dans les environs, on s'entasse dans les cars ou les camions pour aller le voir et hurler son nom. Qui dira jamais combien le droguiste de Cedrina a vendu de pinceaux et de pots de peinture ou d'encre pour que l'on puisse laisser partout des traces de sa victoire dans le Tour de France. Cambiare vita, no. Je ne veux pas aller trop vite. Ça dépend si je trouve un emplacement pour construire un garage pour les camions. Le pays ici devient un peu petit. Mais si je trouve une place, j'aime mieux rester dans mon pays. Mino Baracchi, le créateur du célèbre trophée, a suivi les premiers pas de Gimondi. Et l'année dernière, je rappelle qu'il est venu au Baracchi, la vieille du Baracchi, il était encore amateur, pour signer le contrat avec Pezzi, son directeur sportif. Après avoir signé le contrat, il est venu chez moi pour me demander si je permettais de lui présenter Pulidor. Et je suis très heureux de lui présenter Pulidor, me semble une chose. Et maintenant, à distance d'une année à peu près, il connaît mieux Pulidor et il est une vedette comme lui. Il est très aimé en Italie. Beaucoup, il a beaucoup aimé pour sa simplicité, son caractère modeste et simple. Souvent, Felice s'en va seul dans la montagne. Là-haut, il retrouve un berger, Luigi, son vieil ami qui rêvait de devenir champion cycliste comme Bottecchia, et dont les histoires de bicyclette incitèrent peu à peu Felice à tenter sa chance en achetant son premier vélo. E quando siamo arrivati al bivio ho detto aria libera chi arriva prima e Gimondi è sfilato via con una... non c'era nessuno che poteva tenerci la sua ruota nemmeno mio figlio, nemmeno Postinoni. Ils font griller des châtaignes et Felice écoute les histoires du vieux. Puis pour lui faire honneur, Luigi, qui ne désarme pas, gravit le col vers le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la grotte de la Vierge aux eaux miraculeuses. Des eaux qui préservent la vue et guérissent les blessures. C'est la Madone della Gamba, la Madone de la Jambe. Felice s'est depuis toujours placé sous sa protection. Un jour, il a trouvé une ficelle dans la grotte et depuis, il la porte autour des chevilles, comme porte-bonheur. Après le Tour de France, il est venu déposer son maillot jaune parmi les ex-voto.
Tout près de chez lui, Felice se rend souvent à l'école maternelle, son école maternelle. Et plus tard, pour les petits, Jim Mondi, ce sera un homme de l'histoire. Et l'exemple venant d'en haut, nul doute que de futurs Jim Mondi se préparent ici. Quali sono i vostri divertimenti? Les plaisirs, musique légère, cinéma, photo. J'aime les motos et les voitures, la lecture et la chasse. La lettura? Sì. E la caccia? Anche caccia, sì. Qualche volta vado a caccia in compagnia di donne. La chasse. Là aussi, son coup d'œil fait des ravages. Pour les appelants, il n'a pas besoin de fabricants ou d'oiseaux complices. Et le fils Jim Mondi, deux fusils sans pardon. À San Pellegrino, séance quotidienne de culture physique. Souvent, il y rencontre les joueurs de l'Inter de Milan et de tous, il est celui qui bat les records au spiromètre. Sa capacité thoracique, 6 litres 8, son rythme cardiaque, 42 pulsations minute, 81 minutes après son arrivée au Parc des Princes. Un rythme identique à ceux de Coppi et d'Anctil. On ne doit pas me plaindre parce que je fais ce métier. La fatigue est spectaculaire. C'est un plaisir et un devoir. C'est un métier que j'ai choisi et je dois le faire. Vous devez faire beaucoup de kilomètres pour être en forme. Pour être en petite forme, il faut que je fasse 3500 à 4000 kilomètres. Mais pour marcher, vraiment, je dois faire des courses par étapes. Et possiblement correre à tappe pour trouver proprio il grado giusto della mia forma. C'est vrai, il ne néglige pas ces longs kilomètres indispensables à la compétition. Non, Jim Mondi ne néglige rien. Il veut tout faire, s'imposer tout pour devenir un grand champion. Il est si bien parti, il est vrai. Et comme ses qualités morales sont à la hauteur de ses facultés intellectuelles et de ses aptitudes physiques, on doit penser que sa victoire dans le Tour sera suivie de nombreux autres grands succès. Ezio, pour sa part, en est certain. Ezio, le jeune frère, meilleur débutant du Piémont et de Lombardie, est déjà prêt à assurer la relève de Felice et son aîné, Felice est l'enfant chéri de Cedrina et des alentours. En tout cas, nous avons maintenant, mesdames et messieurs, préparez vos magnétoscopes, nous avons la rétro de 1965. On a perdu entre-temps Jean-Paul Olivier qui est sur sa moto, mais c'est bien normal. Je vous le rappelle, c'était une victoire italienne de Felice Jim Mondi, rétro de 65. C'est parti. 1965. Anctil n'est plus là. Qui va prendre la relève? Dans ce tour, un jeune fait ses débuts. Le public français a fait sa connaissance l'année précédente lorsqu'il a remporté le Tour de l'Avenir. C'est Felice Jim Mondi. C'est un Italien du Piémont et la première manifestation de sa grande classe, il la montre ici, dans cette étape. Malgré une tentative d'échapper de Ferdinand Braque. Jim Mondi est venu au Tour sur l'injonction de son directeur sportif, Luciano Pezzi, ancien séide de Coppi. Au sprint, c'est lui qui l'emporte.
C'est en vérité un pari qui est engagé, car beaucoup trouvaient Gimondi trop tendre pour le Tour de France. Son avance sur le peloton est suffisamment importante. Pour que, sous les yeux de monsieur et madame Anquetil, il endosse le maillot jaune. Felice Gimondi n'a pas 23 ans. Van de Kerckhove va ravir le maillot jaune à Gimondi dans les étapes de plaine. Mais voici la montagne, 15e étape, Carpentras, le Ventoux. Julio Jiménez s'offre en spectacle. Alors que ce tracé est dédié à notre confrère Jean Quittard, pionnier des commentateurs du Tour à la télévision. Galera est l'espagnol de service. Gimondi souffre dans cette fournaise. Poulidor affiche une santé insolente. Comme Henri Anglade. Sur les pentes du mont Ventoux, le mont Chauve, où tant de routiers connaissent la défaillance, Poulidor est accompagné de Jiménez, le petit horloger d'Avila. Poulidor ne décolle pas de la selle, il se sent particulièrement bien, lucide, clairvoyant. Si bien même que dans les derniers lacets, il lâche l'espagnol pour gagner seul avec une totale maîtrise. 34 secondes vont le séparer de Felice Gimondi, qui a su limiter les dégâts en gardant son compatriote Gianni Motta en point de mire. Briançon, une étape classique par le col de l'Isoard. Pour saluer les demoiselles coiffées, Felice Gimondi ne s'est pas découvert. Il est trop soucieux à l'idée d'aller escalader les géants des Alpes. Au col de Vars, c'est le petit Hollandais Cees Haast qui passe en tête devant Jiménez. Raymond Poulidor attaque à son tour. Gimondi, aussitôt dans la roue. D'ores et déjà, on peut penser que cette étape ne donnera rien. Alors qu'au sommet de l'Isoard, au souvenir Fausto Coppi, c'est l'Espagnol Galera qui se présente seul.
l'Italien Gianni Motta se lance à sa poursuite. Sous l'œil d'un connaisseur, Roger Rivière. Et c'est sans problème que Galera l'emporte à Briançon. Gianni Motta termine en deuxième position. Quant à Felice Gimondi, il se classe troisième. Briançon, Aix-les-Bains. Les Alpes vont-elles être escamotées? Une fois de plus, ce sont les Espagnols qui se taillent la part du lion dans les cols de la Chartreuse. Julio Jiménez. Et voici l'étape de vérité, le Mont Revard, 26 km 900 contre la montre. On retrouve Jiménez, horloger dans le civil, qui a horreur des courses au chronomètre. Un comble. Et Poulidor, qui pense ici remporter le Tour de France. Hélas, il va le perdre là où il pensait le gagner. À l'annonce des 11 secondes de retard, Gimondi a réagi. Felice Gimondi va encore gagner entre Versailles et Paris la dernière épreuve chronométrée.